plénière de notre collectivité départementale. Je vais laisser la parole à M. Rasser pour faire l'appel, s'il vous plaît. Et ce micro ne fonctionne pas, vous parlez directement à voix haute. Ah, d'accord. Okay. Et le micro d'ambiance capte. Je demande à l'ensemble des micros d'être coupés et évidemment ouvert pour la réponse à l'appel d'Alexandre Rasser. Okay. Stéphanie Auger. Présente. Karen Beauvillard. Présente. Nathalie Béton est absente et représentée par M. Meudibio. Présent. Merci d'éteindre vos micros, sauf pour répondre. Donc, Sylvain Bonenfant. Présent. Colette Bonnard. Sylvain Borreggio. Présent. Liliane Bourgeois. Elle est là, mais elle répond. D'accord. Cécile Caron. Présente. Gérard Chéron. Gérard Chéron. Françoise Colmar. Présente. Francis Courel. Présent. Jocelyne de Tomasi. Présente. Catherine Delalande. Présente. Merci aux services d'assemblée de couper tous les micros, s'il vous plaît. Les élus vont réouvrir les micros pour répondre. Angèle Delaplace. Présente. Marie-Annick Dehaye. Absent de pouvoir, Arnaud Levitre. D'accord. Julie Destla. Présente. Frédéric Duché. Présent. Myriam Dutheil. Présente. Thomas Alexhauser. Présent. Michel François. Présent. Laurence Gauthier. Présente. Nicolas Gavard-Bongalu. Présent. Nicolas Gravel. Présent. Xavier Hubert. Présent. Antoine Jamais. Présent. Daniel Jubert. Présent. Claire Lacampagne-Crochet. Présente. Chantal Legal. Présent. Jean-Pierre Leroux. Présent. Sébastien Lecornu. Présent. Jean-Paul Legendre. Yannick Léger, excusé de ne pouvoir, Marc-Antoine Jamais, Pascal Lehondre. Présent. Diane Le Seigneur. Présente. Arnaud Levitre. Présent. Michael Onodibio. Présent. Manuel Ordonez. Présent. Micheline Paris. Elle est là, mais elle est dans la même pièce que quelqu'un, donc je pense qu'au niveau du son, c'est un peu compliqué. Thierry Plouvier. Ils sont ensemble. Présent. Alexandre Rasser, présent. Martine Saint-Laurent. Présent. Présente. Marcel Sapovitch. Il est là. Présent. Marie Tamarelle Vérague. Présente. Présente, pardon. Anne Terlez. Présente. Marilyn Wagner. Le quorum est atteint. Colette Bonnard présente. Ah, on va faire les rectificatifs. Monsieur Legendre est présent. Christophe Chambon présent aussi. Je suis présent, je confirme. Colette Bonnard présente. Oui, ça, on l'a noté. Et Gérard Chéron, toujours pas. Bon, ok. On notera aussi. Marine Wagner non plus. Monsieur Chéron. Ah bon, ils le disent. Il est où? Il n'y a pas de caméra de mise. Oui, alors il faut quand même être, pour avoir été vaguement ministre en charge des collectivités territoriales et avoir toilété le CGC sur ces sujets, il ne s'agit pas d'être connecté, il faut quand même qu'on voit la personne. Donc, si
Bon, ben, on nous fera signe. Allez, le quorum est atteint, les pouvoirs sont enregistrés. Est-ce que les présidents de groupe ont des motions à déposer ? Motion non. Président Levitre ? Pas de motion, monsieur le président. Très bien, merci, monsieur le président. Je vous propose de passer à notre ordre du jour, c'est-à-dire au premier volet, le débat de politique départementale. Attention juste au bruit de fond, parce qu'on est sur un micro d'ambiance, donc tous les bruits dans la pièce sont complètement répercutés dans l'appareil de visio. Y a-t-il des prises de parole au titre du débat de politique départementale ? Je vois une demande de prise de parole de monsieur le président Marc-Antoine Jamais. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Avec votre permission, je veux revenir sur une récente actualité départementale que cette Assemblée a peu traitée dans deux cantons, en effet, du Grand-Bourtroude et celui de Val-de-Reuil. Vos candidats, qui avaient été clairement battus et ont contesté la victoire de la gauche et du Parti socialiste, en déposant un recours devant le tribunal administratif. Dans les deux cas, ils avaient pour avocat Jérôme Grandénon, qui dirigeait autrefois la campagne de Bruno Le Maire, si je me rappelle bien, aux primaires de la droite pour affronter Emmanuel Macron. Dans les deux cas, ce qui est plus embêtant, ils se targuaient de votre soutien, de votre approbation, si ce n'est pour certains de votre incitation, ce qui est désagréable à notre endroit. Dans les deux cas, ils ont été sévèrement déboutés, vous avez perdu. Le premier recours qui me concerne et concerne Madame Léger a été débouté pour irrecevabilité, aucun argument n'ayant étayé le recours dans les délais, ce qui est peu sérieux et pourrait amener la responsabilité de l'avocat à être mise en cause. Tout juste a-t-on appris, alors que nous avions gagné par 2000 voix d'avance, qu'un mail ouvert par 50 internautes, pas par 50 électeurs du canton, par 50 internautes, avait conduit 10 d'entre eux sur un site municipal, ce qui était une erreur, avant de s'apercevoir fort heureusement que 8 de ces 10 personnes étaient en fait une seule et même personne, la suppléante de vos candidats de droite, une de vos groupies, il y en a, qui aurait été bien versatile si c'était à la lecture seulement de 15 lignes de moi détournées de votre droit chemin. Elle n'était pas très habile, si je puis me permettre, monsieur le président, pour étayer un recours. Le second a connu le même destin, puisque votre candidat qui réclamait l'annulation d'une centaine de bulletins n'est parvenu à en neutraliser qu'une petite quinzaine. Tout cela pour ça, serait-on tenté de dire. En effet, parce qu'on ne peut pas considérer qu'il s'est passé des choses véritablement graves. D'abord, ce n'a pas vraiment troublé les opinions locales, qui savent qui a gagné et n'aiment pas les mauvais perdants. Il ne faut pas en être. Il n'y a pas eu de grand mouvement populaire pour deux candidats qui sont souvent montrés désagréables dans la campagne. L'un par naïveté, il pensait que j'avais 100 ans alors que j'en avais que 63. L'autre par arrogance, manque de travail à l'Assemblée, mais c'est une tradition à la quatrième circonscription, agressivité permanente. Et pardonnez-moi pour bien le connaître, bidomanie pathologique. Mais je voudrais souligner pour conclure deux points qui sont plus importants et qui n'ont pas été assez soulevés. Que veulent dire politiquement, de votre part, publiquement, ces recours ? Une chose simple, alors que la gauche représente quand même fort peu, mais environ 30% des opinions dans ce pays, il n'était pas supportable au Conseil départemental de l'Eure qu'elle représentât moins de 10% des sièges. C'est un peu fort. C'était encore trop. C'est quand même une étrange vision de la démocratie qui ne supporte pas une opposition régulièrement élue, la contradiction par un peu plus qu'un conseiller départemental et donc le dialogue. Le suffrage universel vaut mieux que le tapis vert. Deuxième enseignement, et je conclue par cela, que veulent dire ces recours d'un point de vue administratif et moral ? Une autre chose très simple. Alors que les États généraux de la justice, initiés par le chef de l'État en octobre dernier, vont se clore dans quelques jours, je crois, en pointant de manière principale du doigt l'encombrement des tribunaux qui ont été décimés aussi par l'épidémie que nous connaissons tous et dont nous souffrons tous, certains n'hésitent pas à aggraver cette situation en multipliant des recours procéduriers, procéduraux et dilatoires pour alimenter des polémiques locales qui me paraissent assez vaines et assez politiciennes, qui ont un effet, et je pense que, comme ministre, vous y serez sensible, elles rendent plus difficile, plus longue, l'accès aux tribunaux pour les bons citoyens qui ont de justes causes, de vraies causes à faire entendre. Alors, je dirais simplement que pour la démocratie et l'état de droit, ces deux recours m'ont paru regrettables. Merci, monsieur le président. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Parce que le président Levitre souhaite prendre la parole. Je vois, après, pour le groupe majoritaire, les mains se lever, messieurs Duché et Rassaer. Mais est-ce que monsieur Levitre ? Je ne vois pas. Il cherche à... Je cherche à mettre le son, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, monsieur le président, on vous entend. Je monte le son. Vous m'entendez, donc non, pas de prise de parole pour le moment. Merci, monsieur le président. Monsieur Rassaer, vous avez la parole. Non, c'était juste pour quand même dire un mot sur
sur les mots qui sont employés à l'endroit d'un de nos anciens conseillers départementaux, Bruno Quettel, qu'on peut pas, on peut s'amuser, on peut faire des bons mots, et je sais que si jamais on est friand, ça peut même nous amuser de temps en temps, mais dire d'un ancien collègue qui a appartenu à notre majorité élargie, en tous les cas, qu'il est un mythomane pathologique, je trouve que c'est des termes qu'on ne doit pas utiliser dans le cadre de ce débat. Voilà, enfin, c'est, on sort du champ politique et pour moi, ce n'est pas forcément des termes à utiliser. On sort du champ politique et on est sur le champ médical et justement, je ne pense pas que ce soit des mots à utiliser dans le cadre du débat public. Merci, monsieur Rassin. Monsieur Duché, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Je partage rigoureusement les propos d'Alexandre Assaert. Je ne savais pas que monsieur Jamais était devenu médecin psychiatre en plus de ses différentes activités. C'est le premier point. Et le second point, je suis assez étonné de cette vision de la justice que vous pouvez avoir, monsieur Jamais. C'est-à-dire que vous choisissez ceux qui auraient le droit de pouvoir porter recours de ceux qui n'auraient pas le droit de porter recours. Je suis désolé, mais c'est une vision de la démocratie que je ne partage absolument pas. Une vision que je pourrais presque caractériser d'une vision fasciste de la façon dont vous traitez les plaignants. Ben non, mais je suis désolé, c'est rigoureusement... Ah, je suis désolé. Non, le suffrage universel a parlé. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. J'aime bien le suffrage universel. Vous avez le droit de contester le fait que vos opposants puissent porter recours contre vous. Vous n'avez pas le droit de choisir celui qui portera recours. Il n'y a pas les bons ou les mauvais plaignants. Il y a des plaignants et il y a un état de droit dans lequel la loi doit s'appliquer pour les uns comme pour les autres. Vous avez indiqué que je trichais, ce que j'ai trouvé désagréable. Mais ça, vous êtes suffisamment averti pour savoir que c'est... Je n'aime pas être traité de tricheur. Ça fait de mythomane, moi de tricheur. Parce que j'avais gagné à la loyale et largement. Bien, cet échange sympathique d'intérêt général. Lui, je vois une prise de parole, monsieur Alex Hauser, pardonnez-moi. Merci, président. Non, si on pouvait revenir à des choses plus sensées, ça serait bien dans cet hémicycle en ouverture de chacune de nos plénières. Je voudrais me féliciter de notre plan de relance qui a été donc finalisé ce matin en commission permanente et qui, comme nous nous étions engagés, va solliciter plusieurs millions d'euros sur des projets locaux. On voit qu'au niveau des montants et de la nature des projets, ce seront exclusivement ou principalement des entreprises normandes qui répondront sur les travaux engagés dans le cadre de ce plan et je pense qu'on peut s'en réjouir. C'est un plan qui a été extrêmement bien accueilli et qui apporte voilà, un plus sur des projets qui étaient en attente, qui étaient bloqués. Et donc, je pense qu'on peut collectivement se réjouir de ce plan qui vient au bon moment et qu'on peut tous s'en féliciter. Voilà ma première remarque dans ce débat général. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Bien. Le débat départemental a eu lieu. Des réponses ont été apportées. Notamment à la prise de parole liminaire du président Jamais, c'est un peu la poule et l'œuf notre affaire, parce que vous nous reprochez de contester l'existence d'une minorité dont j'espère prendre soin par ailleurs dans votre vie de conseiller départemental au quotidien, parce que c'est une maison qui nécessite cela, me semble-t-il, et que le mode de scrutin départemental fait que chacun en plus est particulièrement légitime. Je ne dis pas qu'un conseiller régional élu sur une liste le serait moins, mais enfin, le mode de scrutin créer une emprise territoriale qui font que tout le monde, au fond, a sa grande légitimité ici autour de cette table. Après, il me semble, dans l'histoire politique du canton de Val-de-Reuil, l'ancien canton comme le nouveau canton, il n'y a pas toujours une offre politique face à vous. Et il est vrai que, parce que vous êtes démocrate et que vous avez été premier fédéral du Parti socialiste pendant des années et que moi-même, je fais un peu de politique dans ce département depuis maintenant plus de 15 années, je trouve ça bien que sur les cantons de Vernon ou de Val-de-Reuil, pour prendre les cantons désormais bien connus, il y ait une offre politique face à nous. Je me mets bien volontiers dans le même bain. Et que les deux candidats que la majorité départementale, que le mouvement Ensemble pour l'heure que je préside, ont fait une campagne, les électeurs ont tranché, il ne fait aucun doute que vous étiez largement majoritaire. Mais je pense que c'est bien pour la démocratie dans ce canton, dont parfois aussi, malheureusement, une partie de la sociologie, et vous le combattez, peut aller vers les extrêmes, mais vous-même, vous y apportez des réponses, et nous le savons, qu'une offre soit donnée à cette population. Et que de par là même, un jeune candidat dont on pourrait reprocher l'ambition, la fraîcheur, et l'ambition n'est pas démesurée. On a connu des jeunes aussi. Il est adjoint de Bernard Leroy. Ah, bah alors, c'est déjà pas mal. Il est engagé et qu'il ait gratté sa chance
devant le tribunal administratif, comme l'a dit Frédéric Duché, fait partie des instruments de l'état de droit où le juge est amené à connaître et à réformer le scrutin pour l'amener peut-être à son montant le plus juste, si j'ose dire. C'est ce qu'a fait le député Quettel. Quant à votre rhétorique, je suis toujours moi-même bien ennuyé parce qu'Alexandre Assert l'a dit, nous sommes parfois vos meilleurs spectateurs et nous sommes même parfois friands de vos formules, de votre rhétorique, de votre débit de parole bien connu. Mais parfois, il est vrai, ça dérape un peu et que les mots que vous avez employés sur un parlementaire, pour le coup, sont des mots quand même assez violents et que vous avez le droit de dire qu'il ne travaille pas, je ne partage pas ce constat. Vous avez même le droit de mettre une balle perdue à l'ancien ministre François Long, parce que vous l'avez fait, voilà, vous l'avez fait, vous réitérez. Ça, c'est le champ politique, que de dire qu'un opposant politique ne travaille pas assez, ça vous appartient. Un seul en cinq. Ah, c'est de la politique. Un texte. Je ne vous reprocherai jamais de faire de la politique. Je ne partage pas ce constat, mais je ne vous reprocherai jamais. Commencer à qualifier avec des mots qui peuvent porter une charge de violence importante, c'est vrai que dans les moments, je le dis de manière vraiment très calme et très détendue, et dans les moments où on a un certain nombre de nos collègues élus qui sont pris à partie violemment sur les réseaux sociaux, j'ai encore eu à traiter cela avec le député de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont on a tous vu les images, notamment dans le... Oui, physique et verbal. Terrible attaque. Et verbal. Courage à la part ce garçon. Il est vrai que certains mots, à mon avis, doivent... Enfin, on doit faire attention, me semble-t-il, sans se réfréner dans les débats démocratiques et politiques, parce qu'il faut que les campagnes puissent vivre, c'était mon propos. Il faut qu'effectivement, un certain nombre de mots soient prononcés, à mon avis, avec précaution, parce qu'on a aussi notre part de responsabilité dans le fait que... on revient au calme. Je vous en prie, Président Jamais. Deux choses. Une inexactitude sur le canton. Il y a toujours eu des candidats de droite, puisque ce canton a été pris par la gauche à la droite. Je voulais parler de vrais candidats. Moi aussi, je vais me permettre de... Vrai candidat. Vous êtes désagréable. Alors, pour eux, là, pour voilà, je me permets de... Là, nous avions un vrai candidat, monsieur. C'est vrai. Il y avait un vrai binôme, avec une vraie offre politique, avec un vrai programme, avec une vraie campagne, avec une vraie capacité à faire l'alternance. Et d'ailleurs, dans certaines communes... Le binôme Spébrook a enregistré de très bons scores. Le docteur Madrou, qui est médecin, appréciera et voilà. Fidèle. Une vraie campagne, avec un vrai meeting, avec un vrai rassemblement. Oui, écoutez, la démocratie a fonctionné. Une condamnation de vos candidats par le passé est terrible. Mais si c'est vous qui le dites, très bien. Pas complètement les miens, c'est pour ça. Ah, bon, pour Dieu, ils en prennent. Ils sont assaisonnés, là, je veux dire. Libre de vous. Ils sont habillés pour l'hiver, là. Vous parliez d'une certaine violence. Pas de langue de bois, Président. Toujours est-il qu'il y avait un canton qui était de droite, il a été gagné à 51-49, puis un peu plus. Et puis là, très largement, puisque le canton, dans 7 communes, j'ai gagné sur 6, et je crois que nous avons fait 40% des voix dans la commune qui était la plus à droite. Ça, c'est la première chose. Et sur la deuxième chose, il ne s'agit pas de... il faut partager le bon grain, enfin, faire la part du bon grain de l'ivraie. Toutes les violences commises contre les parlementaires ou les élus sont scandaleuses. Scandaleuses, quels qu'ils soient, de quelque bord qu'ils soient. Et par ailleurs... Troisième chose également, partagez avec vous, que 30% de la France soit révolutionnaire et veulent que tout le monde gagne moins de 1800 euros et que 30% soit proche d'opinions un peu totalitaires, là, pour le coup, et véritablement, pour reprendre les mots qu'a touché à la droite la plus extrême, est inquiétant. Donc je partagerai ces deux constats avec vous. C'est parce que je partage ces deux constats que j'ai parfois un jugement un peu sévère sur les parlementaires qui... alimentent malheureusement l'antiparlementarisme par leur absence de travail qui, pour moi, qui connaît bien l'Assemblée, j'en ai été un serviteur pendant très très longtemps, pendant 12 ans, parlementaire qui ne dépose pas de texte et quelqu'un sur lequel il faut s'interroger quand même. C'était tout et c'était ça. En tout cas, je vous remercie en effet du climat qui peut régner ici et qui n'empêche pas que je regrette que vous ayez incité nos amis à poser des recours. Je ne les ai pas incités, c'est ce que l'État de droit leur permettait de faire. Pour l'appréciation sur les parlementaires, il existe une échéance au mois de juin prochain qui vous permettrait de donner la parole aux électeurs et de laisser les électeurs trancher cette question. C'est pour les éclairer. Je ne pourrais pas vous-même candidat, comme ça au moins les choses seraient complètement clarifiées, Monsieur le Président Jamais. On vous prête beaucoup de choses, vous savez. Bien. Je vous propose. Je suis confus. Vous êtes très riche. Qu'est-ce que vous voulez dire ? N'attaquez pas le président de la République comme ça. Vous allez faire la peine à Monsieur Le Cornu. Ce marxiste-léniniste que vous avez pris avec vous, quand même. La majorité départementale. Effectivement, une sensibilité diverse. Allez, nous attaquons notre
ordre du jour, puisque nous n'avons pas parlé beaucoup des Auroises et des Aurois depuis le début de cette session. Là, il s'agit quand même de parler... L'élection, de... c'est ça qui concerne. Oui, mais ce que nous pouvons désormais faire pour eux, parce que l'élection est derrière nous, me semble tout à fait prioritaire. Et donc, je vous propose de laisser la parole... Ah non, peut-être déjà adopter le procès-verbal de notre dernière session de ce début d'année. Pardonnez-moi, y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal, Monsieur le Président Jamais? Oui, juste une chose. En le relisant, j'ai vu que le coup de pouce énergie, ça m'a un tout petit peu embêté. C'est vraiment purement technique. Allez-y. 1300 euros le plafond pour une personne seule et 2600 pour deux personnes. Et bravo, enfin, coup de pouce énergie, tout le monde en a besoin. Il y a une catégorie de gens qui sont deux, mais qui... ne gagne pas. C'est les personnes seules avec enfants. Alors, je sais que la réponse normale, c'est mais il y a d'autres aides qui permettent d'eux, etc. Je trouvais qu'entre le 2300 deux adultes et le 1300 un adulte, il pouvait y avoir peut-être, mais c'est juste une remarque, une place pour la situation de deux personnes, mais l'une dans. Voilà, parce que peut-être qu'il faut prendre un plafond un peu plus haut que 1300 euros pour une personne avec un enfant, voire avec deux enfants. La réponse classique, c'est mais il y a d'autres aides dont ils bénéficient. Voilà, mais je ne sais pas. Claire, laissez peut-être la parole à Madame Terlesk et en profiter peut-être pour donner les premiers chiffres sur l'utilisation de ce dispositif à la faveur de la question qui est posée sur l'adoption du rapport. Madame Terlesk, vous avez la parole. C'est Madame le Seigneur, pardonnez-moi, sur les aides au logement énergie. Je suis désolé. On est à la rencontre des deux délégations. Bon, Madame le Seigneur, vous avez la parole. Oui, on est. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On est complètement en phase sur le sujet, bien évidemment. On est en transversal. On est en train de regarder justement et d'affiner l'ensemble des cas particuliers. Ceci peut en être un, Monsieur Jamais, comme d'autres aussi qui nous sont soumis. Donc, il y a une grande agilité, une grande souplesse et plein d'adaptations et de précisions qui se sont faites dans un tableau. Donc, au fur et à mesure que nous avons des demandes, notamment dans une liste d'attente, c'est engrangé. À peu près 600 demandes qui n'avaient pas été traitées, qui depuis doivent être traitées d'ailleurs depuis les trois derniers jours, où il y avait des cas comme celui-ci, ou bien qu'on accordait, ou bien qu'on repartait dans le lieu commun. Au niveau des demandes, ça, juste pour répondre à la question du président, effectivement, on était à peu près... semaine dernière à 1400 demandes, ça remonte bien, il y a eu beaucoup d'accords et on a fait des adaptations suite justement pour préciser tous les cas particuliers qui n'étaient pas complètement carrés pour pouvoir augmenter. Je me propose éventuellement d'avoir un chiffre à jour dans les minutes qui suivent et je l'envoie et je vous le transmets, ça vous va comme ça? Très bien. D'ici là, reboucler peut-être avec vos équipes en parallèle. Ça. Et voilà. Et je vous laisse la parole à la fin de la session. Merci. Parfait. Et donc on y reviendra. Sur le contenu même du procès-verbal, y a-t-il d'autres remarques, ajouts, modifications? Je vous propose de l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est ainsi adopté. Et on se note que Madame le Seigneur reprendra la parole en fin de session. On va laisser la parole à notre collègue Martine Saint-Laurent pour le rapport annuel. C'est un rapport obligatoire, mais son contenu, lui, pour le coup, est à la faveur du travail et des actions qui sont engagées dans chacune des collectivités territoriales en matière d'égalité entre les hommes et les femmes dans notre département. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais vous présenter ce rapport égalité homme-femme dans le département de l'Eure. Vous l'avez tous eu en document. Je pense que vous l'avez lu. Il est quand même assez copieux. Donc, je vais maintenant vous en faire une synthèse et les principaux arguments. Donc, la politique d'abord du département dans le domaine de l'égalité homme-femme, ça se traduit de deux manières, d'abord en tant qu'employeur, bien sûr, mais également dans nos politiques départementales, tant culturelles, sportives ou associatives. Et le rapport prend l'intégralité de notre action en interne comme en externe. Alors, la première slide que vous avez montre la situation en interne concernant les hommes et les femmes. On constate... Il y a deux tiers de femmes et un tiers d'hommes. Alors, ça s'explique cette répartition tout simplement par le fait que nous avons des filières sociales, médico-sociales, administratives qui sont extrêmement féminines et que seules les filières techniques sont masculines. Voilà pourquoi il y a ce déséquilibre entre les hommes et les femmes. Ensuite, en ce qui concerne l'égalité, Alors, en ce qui concerne l'égalité homme-femme au niveau rémunération,
L'objectif, c'est bien sûr de tendre à l'égalité. Alors, si vous regardez, vous avez les catégories B et C qui sont pratiquement à l'équilibre. Par contre, au niveau de la catégorie A, nous avons un équilibre important qu'on peut tout à fait expliquer par l'intégration dans cette filière A en 2019 et en 2020 de travailleurs sociaux, d'infirmières, donc grandement féminisées et qui plus est avec des salaires qui sont pas tout à fait les mêmes dans cette filière-là, qui sont moins importants. Voilà. Ensuite, nous avons aussi, le département a une action très importante en matière de lutte contre la violence faite aux femmes. Alors, à la fois aussi toujours en externe et en interne. Nous avons en externe des actions avec des travailleurs sociaux dans nos services de proximité aux côtés des forces de l'ordre. Et il existe aussi des supports en ligne pour les ORWAE et les partenaires. En interne, eh bien, on est en train de mettre en place un dispositif de signalement, ceci dans le premier semestre 2022. Concernant toutes les actions que peut avoir le département au niveau de ses politiques. Alors, on voit qu'au niveau de nos politiques, par exemple culturelles, eh bien, on essaie, dans la mesure du possible, lorsqu'on organise quelque chose, par exemple, de faire en sorte qu'il y ait autant d'artistes hommes ou femmes qui interviennent. On essaie d'y être vigilant, bien sûr, ce n'est pas toujours possible, mais c'est une des actions au niveau culturel. Au niveau de tout ce qui est sportif, eh bien, il y a moins de sportifs de haut niveau femmes que hommes, mais il n'en demeure pas moins que nous avons accordé 19 sur les 41 aides votées, 19 ont été accordées à des sportives femmes. Au niveau de l'entrepreneuriat aussi, par le biais de nos partenaires de la Chambre des chambres consulaires, eh bien, nous essayons d'aider un maximum en apportant un soutien aux femmes qui souhaitent créer leur entreprise. Au niveau de l'agriculture, ça se traduit par le biais d'une participation du département à la semaine de l'agriculture où on essaie de faire venir des femmes agricultrices afin qu'elles montrent aussi leur métier. Maintenant, l'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, ce n'est pas les élus qui vont tout faire. Il faut absolument que tous ensemble, élus, agents des collectivités, eh bien, nous travaillons la main dans la main afin de construire, co-construire cette égalité homme-femme au sein du département. Alors, pour ce faire, eh bien, il va y avoir tout un travail de communication qui va être mis en place en 2022. D'abord, pour sensibiliser les agents, bien sûr, mais pas que. Et il y aura aussi tout un plan d'action qui doit faire en sorte que l'ensemble des agents, nos partenaires, nous élus, on s'approprie ces actions et que tous ensemble, eh bien, nous fassions progresser et effacer petit à petit, pas à pas, les inégalités qui peuvent encore exister au niveau des hommes et des femmes. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce rapport, s'il vous plaît ? Il aurait pu passer en commission permanente. J'ai souhaité l'inscrire à la plénière parce que des efforts sont faits. Enfin, Madame Saint-Laurent l'a dit avec beaucoup de sérieux et d'honnêteté. Beaucoup de choses encore restent à faire, mais je demande à ce que l'on soit jugé sur cette question de là où nous partions en 2015. On le voit bien, les efforts produisent leurs effets, mais qu'on doit évidemment continuer à faire beaucoup mieux. Alors, je vois Madame Tamarel, je vois Monsieur Bonenfant, je vois Monsieur Jamais dans les prises de parole.
On va peut-être commencer par les collègues qui sont en visio, si vous en êtes d'accord. Madame la députée, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'était pour rebondir sur un des pans de ce rapport porté par Madame Saint-Laurent en ce qui concerne les violences faites aux femmes. C'est un sujet, vous savez, qui a été très porté à l'Assemblée nationale avec le Grenelle, les violences faites aux femmes, et je voulais vous partager le fait que j'ai moi-même déposé une proposition de loi à ce sujet, en particulier à propos des enfants qui sont au sein de ces violences conjugales et qui méritent, enfin nécessitent en tout cas, une protection renforcée par rapport à cela. Et j'y associe bien évidemment le département qui s'est engagé là dans cette très importante cause, voilà, qui est source aussi d'un réel problème sociétal, hein, parce que la prévention de la violence, ça commence par la prévention de la violence au sein des familles. Et juste pour aussi vous présenter la réflexion que nous sommes en train de mener, à laquelle bien évidemment est associée Martine Saint-Laurent, sur les maisons enfants et familles, qui sont une réflexion de rassemblement des professionnels qui travaillent autour de l'enfance et dont l'objet est de simplifier le parcours des personnes de type, entre guillemets, guichet unique et qui inclut bien évidemment dans le terme de santé, qui est une approche globale, tout ce qui touche à la protection des enfants et des familles. Et je vois là vraiment, j'espère que notre département sera leader en la matière, une réponse plus rapide, plus articulée, plus efficace et surtout beaucoup plus simple et beaucoup moins stigmatisante pour les familles. Voilà, donc je voulais vous partager cette réflexion. Merci beaucoup. Monsieur Bonenfant. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc, moi, juste une remarque. Donc, je voulais donc, féliciter donc, Martine Saint-Laurent et l'ensemble des services pour la production donc, de ce rapport. Donc, je constate pour une corporation que je connais bien, celle des ingénieurs, donc, que nous avons encore trop peu donc, d'ingénieurs donc, parmi les effectifs de la collectivité, mais c'est une notion qui est donc, nationale. Lorsque je suis né, moi, en 1968, 4% des femmes étaient des ingénieurs. Donc, bien sûr, on a progressé. En 1991, lorsque j'étais diplômé, elles étaient 20%. Aujourd'hui, elles sont un peu plus de 30%. Donc, c'est encore insuffisant, mais donc, moi, je voulais souligner donc, le soutien donc, du département et l'action forte de faire reconnaître l'action des femmes parmi ces services. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président Jamais. Non, mais d'abord, remercier Madame la Vice-Présidente de ce rapport et vous-même, Monsieur le Président, par rapport à toutes les différences que l'on met souvent en avant, la race, la religion et l'opinion qui n'ont aucun fondement, il y a un fondement scientifique, la différence de chromosomes entre les femmes et les hommes. C'est pour ça que l'égalité, elle doit être construite et qu'elle doit être parfaite. Et ce sera probablement le grand combat du 21e siècle et le grand combat de nos enfants. On commence souvent comme ça, mais c'est vrai que j'y suis sensible. Moi, je suis père de trois filles, et d'un garçon, mais trois filles. Et le monde qu'on doit leur préparer doit être un monde de parfaite égalité, de parfait respect, de parfaite estime, où, les connaissant bien, je pense qu'elles peuvent être ingénieurs, vous l'avez dit, médecins, représentants, elles ont tous les droits qui sont les droits de l'humanité. Donc c'est pour ça que ce rapport est particulièrement important. Deux points que vous avez évoqués, celui des catégories A dans notre propre département, moi, je pense que c'est un sujet que le directeur général a reçu en mission du président de traiter. Il est fort quand même, il y a des disparités de salaire, des disparités de statut, également d'occupation, donc il y a un chantier qui est devant nous et qui est important. Peut-être un mot également dans les collèges, monsieur le président, je n'ai pas trop vu de choses dans les collèges, les jeunes filles, les très jeunes filles, connaissent dans les quartiers de grande précarité des situations parfois dures, qui sont liées d'ailleurs à d'autres phénomènes que les phénomènes simplement de répartition des sexes. Peut-être aussi il y a des phénomènes idéologiques profondément condamnables. L'éducation dans les collèges, la parfaite égalité dans les collèges est un sujet suffisamment important. Et puis la dernière chose, je pense qu'on arrivera à cette égalité si elle se fait sur un terrain apaisé, qui est le terrain du logement, le terrain de la santé, le terrain de la formation professionnelle, et que donc ce sujet est un sujet indicateur également ou révélateur des avancées que nous devons faire dans les politiques de services publics ou les politiques sociales. Mais en tout cas, merci Madame pour ce rapport et merci Monsieur le Président d'avoir eu en effet la bonne idée de l'inscrire
à la séance plénière davantage encore qu'à la commission permanente. C'est le sujet du 21e siècle. Très clair. Merci, M. le Président. M. le Président Lehongre. Oui, M. Jamais, pour répondre à votre question sur les catégories A, donc nous avons bien sûr remarques. Maintenant, mes remarques, mais justement, c'est quelque chose qu'on a, regardé, on a identifié aujourd'hui en termes de quantité de personnes en fonction des sexes. L'égalité est là, par moment même il y a plus de femmes, et souvent c'est, je dirais, la partie technique, comme l'a dit un monsieur Bonenfant, aujourd'hui la partie technique est un peu mieux rémunérée par rapport à, je dirais, la partie administrative, et aujourd'hui, même si on a plus de femmes, aujourd'hui la proportion par rapport au salaire des techniciens hommes fait inverser justement et monte cet écart. Et pour rétablir cet écart, on en parlait avec le DGS, il faut absolument attirer des techniciennes, des ingénieurs eux, pour pouvoir justement rétablir cette situation. Je sentais bien que c'était parce qu'il y avait plus de femmes en finance, ressources humaines, sociales, et probablement moins en… voilà, c'était assez classiquement. Non, non, c'est assez classique, d'accord, sur le diagnostic. Mais on a travaillé dessus et on a bien identifié justement pourquoi on avait ces écarts. Et je suis sûr qu'on sera tous d'accord pour que justement, il faut que ça évolue. Alors, est-ce que je… Madame Saint-Laurent, je vous en prie, après on va passer au vote. Au fait qu'il y a peu d'ingénieurs femmes, ou du moins ça commence à venir, mais on est encore loin quand même de l'égalité. Alors, vous, dans nos plans, dans notre plan d'action, mais je pense que Pascal va en parler, je ne vais pas tout vous dire, on va avoir des actions pour inciter les femmes à aller vers ces métiers techniques. Et déjà, au travers de nos publication de postes au sein de du département, eh bien, on veille dans la communication même à ce qu'il y ait, non, que ce ne soit plus genré, j'ai envie de dire, en ce moment, on cherche un mécanicien ou une mécanicienne. Et on a bien, dans l'annonce, on a bien insisté sur que ça pouvait être aussi une mécanicienne. Donc, c'est un changement. Tout ça, c'est des changements de mentalité. Hein. On sort de décennies de patriarcat. Ce n'est pas en cinq minutes qu'on va pouvoir gommer toutes ces inégalités qui existent. Il faut y aller progressivement, il faut y aller, je l'ai dit tout à l'heure, pas à pas, et il faut y aller en concertation aussi avec tout le monde. Voilà. Donc là, pour ce qui est des ingénieurs, eh bien, c'est pareil. Quand on reçoit, on a mis en place des stages pour les jeunes de collégiens, eh bien, c'est pareil. On peut aussi orienter, dire, essayer de mettre des hommes sur les filières sociales, essayer de leur dire, mais découvrez, allez découvrir ces métiers du social, pour inciter aussi à ouvrir ces métiers qui sont pratiquement, ces métiers qui sont réservés aux femmes et de les faire découvrir à des hommes. Alors, quant à l'égalité au sein des collèges, bon, ben, ça, c'est tout un travail. On va en parler certainement avec Florence et pour pouvoir faire progresser aussi peut-être certaines choses. Voilà ce que je pouvais dire par rapport aux questions qui ont été posées. Okay. Je vous propose donc de passer aux voix, enfin au vote, qui est contre ce rapport, qui s'abstient. Son rapport est adopté. Monsieur Lehongre, dans la poursuite justement du rapport précédent sur le plan triennal d'action d'égalité professionnelle femmes-hommes. Tout à fait. Donc, merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Suite au constat et aux mesures qui ont été faites et présentées dans le rapport que Martine Saint-Laurent vient de vous présenter, nous avons souhaité bien sûr agir. Et par rapport à ces actions, nous avons monté une stratégie justement pour détecter ces inégalités à travers un document. La première chose, donc, ça a été une phase numéro 1 qui a été réalisée entre 2021 et 2022, hein, avec bien sûr la mise en place d'une référente égalité à la direction des ressources humaines. Nous avons bien sûr mis en place tous les indicateurs genrés pour détecter ces anomalies, notamment en termes de recrutement et de rémunération, mais également un travail au niveau national où le conseil départemental s'est intégré à un groupe de travail avec l'Association des administrateurs territoriaux de France. Donc, vraiment un investissement important.
Et à partir de là, un plan triennal d'action d'égalité professionnelle a été décliné à travers ce groupe de travail composé d'agents, où nous avons, décliné en trois domaines notre plan d'action, qui est accompagné avec des objectifs stratégiques dans différents thèmes. Et donc, nous avons, dans ces trois domaines, le premier domaine, nous avons décliné un certain nombre d'actions pour prendre en compte la politique d'égalité et de mixité professionnelle dans les groupes de ressources humaines et dans la gouvernance. Dans le domaine 2, nous avons bien sûr voulu diffuser une culture d'égalité en interne. Et dans le troisième domaine, favoriser l'articulation vie privée, vie professionnelle. Donc, c'est les trois thèmes, trois domaines sur lesquels nous avons travaillé. Derrière, le groupe de travail a bien sûr décliné des objectifs stratégiques dans tous ces domaines. Et pour vous citer que les plus importants, puisque vous avez dans le document, bien sûr, la déclinaison et la planification de tous ces objectifs avec un plan d'action très détaillé qui a été mis et qui est planifié dans le temps, avec bien sûr au moment du recrutement, stopper les préjugés dans certains métiers afin d'éviter d'orienter le choix d'un recrutement et d'une mobilité en fonction du sexe. C'est ce que disait tout à l'heure Martine. Pourquoi ne pas systématiquement, dans les stages de découverte de troisième, orienter les jeunes filles sur, je dirais, ces métiers techniques et les hommes sur ces métiers, je dirais, plus administratifs ou plus sociaux. Bien sûr, également une priorité avec assurer une mixité dans les jurys de recrutement. Également, bien sûr, diffuser cette culture d'égalité en interne. Et puis, comme nous l'avons fait, comme nous le faisons dans les différents travaux, puisque quand nous mettons en place, bien sûr, nous auditons, nous évaluons le travail que nous avons fait, et nous aurons aussi à régler certaines situations d'inégalité en matière de rémunération, en utilisant bien sûr les groupes RIFSEP pour la cotation des métiers. La deuxième partie des actions, ça sera bien sûr de mettre en place une procédure de signalement, et là c'est plus sur le comportement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. D'ailleurs, nous avons l'obligation aujourd'hui de créer une cellule où les gens aujourd'hui peuvent déclarer ces situations. Nous avons aujourd'hui, je parle sous contrôle du directeur général des services, la volonté de nous orienter sur une structure extérieure, de façon à ne pas mettre en difficulté les personnes qui pourraient déclarer certaines choses, ou dans notre cellule interne, la personne incriminée pourrait être juge et partie. Nous aurons aussi à veiller sur la transparence des critères d'attribution des primes fixées par la collectivité, donc c'est notre système RIFSET qui a été mis en place. Également, favoriser un égal accès des femmes et des hommes à la formation tout au long de leur carrière. Et puis, favoriser la prise en compte de la parentalité dans la carrière professionnelle. Et un gros travail est mené aujourd'hui sur la qualité de vie au travail. D'ailleurs, l'année dernière, nous avions lancé un programme avec Innover, piloté par nos équipes, qui avait permis à un certain nombre d'agents de se regrouper et de faire des propositions pour améliorer justement la qualité de vie au travail. Il y avait eu un jury et trois actions avaient été retenues pour justement l'amélioration de qualité au travail. Donc voilà succinctement l'information de ce rapport, tout en sachant que le travail qui a été fait et le rapport qui a été présenté décrit et détaille toutes les actions qui vous seront proposées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Y a-t-il des questions ou remarques ? La discussion, à bien des égards, a été jointe avec le précédent rapport. Pour votre prise de parole, je le mets donc aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci beaucoup. Monsieur le Président Longre, nous vous laissons la parole pour les orientations budgétaires. C'est pas le... Non. Non, je prends le débat sur l'orientation budgétaire et nous terminerons sur ce qui n'est pas complètement illogique, puisque là, ce qui sera présenté par Madame Dutheil, il sera aussi dans les traductions des orientations budgétaires pour l'année. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, débat d'orientation budgétaire, comme nous devons le faire 2 mois avant le vote de nos budgets.
avec, je dirais, une obligation de présenter certains domaines. D'abord, une présentation de la situation économique, les tendances aujourd'hui qui se sont écoulées ces dernières années, la situation à l'état actuel, des prévisions sur le budget 2022 et également des perspectives à plus long terme. Donc, nous pouvons constater aujourd'hui que le contexte mondial par rapport à l'année 2020, l'année 2021 et 2022 prévoit un rebond significatif des PIB. Hein, et on a pu voir aujourd'hui que l'année 2020 a pratiquement été en la même situation que la crise financière de 2008. Donc un rebond significatif aujourd'hui permet de voir, je dirais, une croissance plus importante, puisque nous voyons que la France en 2021 aura une progression de plus 7% et pour l'année 2022, plus 3,6% par rapport à nos prévisions. Voilà un petit peu une synthèse. Et vous avez les diapos qui rappellent un petit peu les problématiques. Et vous voyez bien l'année 2020 qui était presque à la hauteur de l'année 2008 en termes de crise. Sur le débat, sur cette période de 2015 à 2021, nous pouvons aujourd'hui démontrer une solidité financière qui nous a permis aujourd'hui, bien sûr, d'un plan d'investissement qui a été inédit pour notre collectivité grâce à un travail très minutieux de nos services, justement, sur la gestion de nos dépenses et de nos recettes depuis 2015. Et nous le rappelons toujours, dans cette période, sans avoir augmenté nos taux d'imposition. Et comme le montre notre diagramme, nous pouvons voir aujourd'hui que nos dépenses, notre budget de fonctionnement est toujours resté équilibré. Et je rappelle que même si on voit une tendance à la baisse, cette baisse est uniquement due en 2017 au transfert de la compétence transport à la région. Et vous pouvez voir que la charge de la dette est restée stable et que nos investissements hors charge de la dette ont augmenté. Nous pouvons voir derrière que l'année 2020-2021, les résultats aujourd'hui montrent des résultats probants avec un taux d'épargne qui reste stable à près de 17% puisque nous engrangeons des dépenses à hauteur de 461 millions d'euros, dépenses de fonctionnement, pour des recettes à hauteur de 554 millions d'euros, ce qui nous fait, comme je vous le disais, une épargne de gestion supérieure à 16,5 points. Sur nos épargnes brutes, elles se situent à près de 88 millions d'euros, et ce qui nous dégage aujourd'hui, une épargne nette qui nous permet des investissements importants à près de 65,9 millions d'euros, donc un taux d'épargne nette de l'ordre de 12,4%. Ce qui nous a permis, ces deux dernières années, des dépenses réelles d'investissement de l'ordre de 116 millions d'euros en 2020 et qui sont passées à 138 en 2021. Et avec un encours de la dette qui est maintenu puisque notre dette a atteint en fin 2021 les 318 millions d'euros avec une capacité de désendettement de 3,6 années. Comme on peut le constater, nous avons des contraintes pour notre section de fonctionnement. Nous avons, bien sûr, sur les dépenses, des contraintes par rapport à des dépenses, on va dire, obligatoires, puisque globalement, sur les 466 millions d'euros des dépenses prévisionnelles, 402 millions d'euros sont quasiment engagés dès le début de l'année à travers l'action sociale, notre participation au SDIS, le fonctionnement des collèges, bien sûr, les ressources humaines avec notre 0,12. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc 402 millions d'euros sur les 466 millions d'euros de nos dépenses sont pratiquement engagés dès le début de cette année. Et nous pouvons constater aujourd'hui que la principale dépense, c'est nos allocations et subventions, puisque près de 330 millions d'euros sont consacrés uniquement justement à ces allocations et subventions à travers une action importante sur l'action sociale, bien sûr. Et nous avons des charges de personnel aujourd'hui qui avoisinent les 90 millions d'euros hors ASFAM, bien sûr.
Nous avons, et après, quelques dépenses de fonctionnement avec un investissement en direct, comme je vous l'ai dit, très important ces deux dernières années et une charge de la dette qui reste constante. Pour nos fonctionnements, nous avons bien sûr une forte dépendance à l'état du marché immobilier, la conjoncture économique nationale. On peut voir qu'aujourd'hui, nos ressources viennent surtout d'une activité nationale et très peu d'une activité locale, puisque l'activité immobilière aujourd'hui est très dense et on peut se rendre compte qu'elle est surtout due à des taux d'intérêt très bas et qu'aujourd'hui, le transfert de la taxe foncière bâtie a été transféré aux communes ou aux communes et que le département reçoit aujourd'hui la TVA qui est, je dirais, une mesure nationale. Et donc, comme nous l'avons plusieurs fois évoqué, le département a beaucoup moins de leviers fiscaux. Également, nous constatons que la fraction d'impôts nationaux, elle représente 36% de nos recettes et que l'augmentation des recettes que nous avons eues, elle est portée aujourd'hui par rapport à l'activité de DMTO puisque 60% de l'augmentation de nos recettes ont été amenées par l'action DMTO, hein, c'est les droits de mutation. Et donc, il est nécessaire de conditionner certaines dépenses à la variation de nos recettes puisque nous ne les maîtrisons pas forcément. Et donc, comme nous vous présentons sur le tableau suivant, vous voyez qu'aujourd'hui, rien que les droits DMTO qui étaient depuis un certain nombre d'années sur une moyenne à 70-75 millions d'euros, cette année a été à hauteur de 109 millions d'euros, hein, une recette importante, et que la fraction d'impôts nationaux, TVA, TSCA, TICPE, sera supérieure à 220 millions d'euros, tout en sachant que uniquement la TVA représente plus de 50% de cette recette, puisqu'elle avoisine les 120 millions d'euros. Donc, comme vous nous pouvons voir, nous avons des recettes aujourd'hui importantes, mais qui sont très volatiles, puisque ces dépenses, nos recettes aujourd'hui, comme nous le constatons sur la TVA, elle est complètement, je dirais, liée et très sensible à la crise qui peut arriver. Et nous avons pu constater sur ces deux tableaux que, vous voyez, en 2008, la crise économique avait fait chuter énormément cette TVA. Et que, par contre, dans nos prévisions, sur l'année 2022, l'État annonce aujourd'hui une progression de la TVA entre 4-5%, ce qui devrait bonifier un petit peu nos recettes. Et également sur cette DMTO, un droit de mutation, où quand vous voyez les différentes courbes, on avait la vision d'une courbe, on va dire, sinusoïdale, hein, où à un moment, chaque année, on avait des bosses, des creux, des bosses, des creux, des formes de vagues. Et là, depuis quelques années, on ne voit plus, je dirais, ce côté sinusoïdal, mais depuis un certain temps, une envolée de ces recettes. Donc, nous devons bien sûr être vigilants sur ces deux recettes qui sont très importantes pour nous, puisque en termes d'investissement, nous avons un certain nombre déjà de dépenses à honorer, puisque le plan d'investissement engagé à fin 2021 est déjà écrit. Je vous rappelle, le PPI Collège de 2016 à 2022, il reste encore 95 millions d'euros à financer. Sur les fonds territoriaux et plans de relance que nous avons lancés entre 2017 et 2022, il nous reste encore 28 millions d'euros à financer. Nous aurons, dans nos engagements que nous avons pris à travers les EHPAD, et bravo à cette initiative de la part du département, car je crois que nous sommes le seul dans le Ségur, à travers l'accompagnement des EHPAD, où nous avons indiqué qu'à chaque fois que l'État mettra 1 euro, le département mettra 1 euro, et nos prévisions pour les années 2022 à 2027, s'évalue à près de 28 millions d'euros. Nous allons accompagner également la MEX de Bernay, avec des engagements qui sont déjà pris à hauteur de 9 millions d'euros. La Seine à vélo, hein, d'ici 2028, qui engrangera des dépenses à hauteur de 9 millions d'euros. Et puis, bien sûr, l'accompagnement de nos propres structures, hein, nos centres médico-sociaux, nos agences routières et tous les équipements qui nous appartiennent, qui d'ici 2028 devrait avoir un soutien de l'ordre de 15 millions d'euros pour maintenir ou investir dans nos différentes structures. S'ajoute à tout ça, bien sûr, le renouvellement et la maintenance dans cette période avec les routes et les ouvrages d'art, la maintenance et l'aménagement à minima,
qui seront hors revalorisation, déjà estimés à près de 150 millions d'euros. La maintenance de nos collèges, avec près de 65 millions d'euros d'investissement. Le renouvellement de nos matériaux, de notre matériel, des véhicules, les systèmes d'information qui évoluent très vite, avec des véhicules aujourd'hui où nous avons pris une vitesse de renouvellement plus courte, de façon à éviter d'avoir des véhicules qui sont immobilisés. Quand on doit entretenir des routes et que les véhicules sont trop anciens et qu'au moment où on doit intervenir, le matériel n'est pas à disposition parce qu'on n'a pas trouvé la pièce de rechange. Deux choses, on paye une pièce de rechange beaucoup plus chère et on n'a pas le matériel qui est disponible. Donc, à nous de trouver la bonne cadence de renouvellement du matériel. C'est ce qu'on passe aujourd'hui. On était dans une période de curatif et nous allons maintenant passer dans une période de préventif. Et on sait très bien que passer du curatif au préventif, nous avons souvent des dépenses plus importantes à mener de façon à, dans le temps, revenir à des dépenses plus correctes. Et puis, bien sûr, continuer à la maintenance de nos différents bâtiments pour 28 millions d'euros. Donc, nos perspectives pour 2022 en termes d'orientation, nous allons être souples dans nos prévisions puisque nos DMTO et TVA, nous devons anticiper un éventuel retournement. Nous aurons également le résultat de nos assises de solidarité qui, par rapport à des dépenses engagées déjà, le plan EHPAD, la revalorisation des SAD, la reconstruction de MEX. Nous aurons un certain nombre de propositions qui seront à mettre en place dans les années à venir. Nous aurons à continuer à investir sur nos propres compétences, nos routes, nos collèges, nos locaux départementaux, comme le souhaite le président, mais également par rapport à ce schéma départemental au niveau de la sécurité sur nos pompiers, bien sûr. Le SDAC nous déterminera aujourd'hui un plan d'action important où, bien sûr, la revalorisation du conseil départemental devra être à la hauteur pour accompagner ce projet ambitieux. Bien sûr, la nouvelle politique qui va être déployée aujourd'hui sur les futurs contrats de territoire et aménagement du territoire qui ont été présentés à travers le contrat, je dirais, bloc de ces contrats de territoire, puis les sept thématiques que nous avons développées seront aujourd'hui à mettre en place. Et cette adoption des nouvelles politiques engendrera bien sûr certaines dépenses. Et puis, nous aurons à moderniser, investir dans nos compétences, bien sûr, en appelant de l'emprunt, puisqu'aujourd'hui, nous avons un taux de désendettement très intéressant. Mais nous devons bien sûr veiller par rapport à nos recettes à un retournement qui, bien sûr, nous obligerait à revoir nos positions. Alors, nous avons mis en place une prévision pluriannuelle avec des paramètres de la prospective qui peuvent être compliqués, puisque quand on constate qu'aujourd'hui, une dynamique sur les compétences sociales de passer de 1% d'augmentation à 2% par an, représente une augmentation de près de 50 millions d'euros sur 7 ans. Également, sur la dynamique de la fiscalité indirecte, normalement sur les droits de mutation 2021, nous avons une certaine marge d'incertitude puisqu'on risque peut-être par an de perdre 15 à 20 millions d'euros, donc ce qui est une chose importante. Et puis, la dynamique du produit national de la TVA, même si aujourd'hui nous ne descendrons pas en dessous du plafond qui est estimé à 120 millions d'euros, passer de 2% de progression de la TVA à 1% par an représente près de 5 millions par an, ce qui fait pratiquement 35 millions d'euros sur la période. Et bien sûr, la limite posée aux équilibres financiers avec une épargne bien sûr suffisante pour contenir la dette, avec un encours de dette nettement en dessous des 10% et avec un objectif plutôt vers les 7,5 années. Donc, nous avons travaillé sur des projets ambitieux, donc avec un scénario ambitieux sans être irréaliste qui, aujourd'hui, nous mettra une dynamique fiscale moyenne et, bien sûr, une faible dynamique des dépenses sociales que je vous présenterai. Nous avons aussi à un moment un scénario 2 très optimiste avec une forte dynamique fiscale
et faible dynamique des dépenses sociales qui nous permettrait pratiquement d'investir sur la période près de 60 millions d'euros. Et d'autres scénarios, scénarios beaucoup plus pessimistes avec une faible dynamique fiscale et une faible dynamique des dépenses sociales. Et celui qui pourrait être le plus compliqué aujourd'hui, où on devrait revoir complètement notre programme d'investissement si nos recettes fiscales s'écroulaient et si nos dépenses sociales, je dirais, s'envolaient. Là, on aurait des choix très importants à faire sur notre programme d'investissement. Et donc, par rapport à ce scénario numéro 1 que je vous présente, nous avons donc choisi une dynamique fiscale moyenne et faible, dynamique des dépenses sociales, puisque la présentation qu'on vous fera sur notre budget, nous prévoyons des produits fiscaux à plus 1,4% par an, hein, avec décrochage en DMTO en 2022-2023, avec une DMTO à plus 5 millions d'euros par rapport à 2020 et moins 14 millions d'euros par rapport à 2021. Donc, on prévoit une DMTO aux alentours de 90 millions d'euros. Une fraction de TVA, comme je l'indiquais tout à l'heure, où au niveau national, nous indiquons un plus 5% en 2022, et puis 2% par an. Et bien sûr, des dépenses sociales aujourd'hui à hauteur de 1,6% par an, avec différents taux d'augmentation en fonction du RSA, de l'APA, de l'hébergement ou de la protection de l'enfance. Des charges de personnel orientées à plus 1,2% par an et un rebasage de fonctionnement qui pourrait avoisiner les 2,6 millions d'euros d'ici 2028 par rapport à l'accompagnement du SDIS. Donc, ce qui, tout ça nous permettrait, bien sûr, de financer ce qu'on pourrait dire vulgairement tous les coûts déjà qui sont partis. L'aménagement nouveau des routes avec pratiquement 38 millions d'euros sur la période de 2022-2028 sur les axes les plus chargés. La maintenance routière aujourd'hui qui pourrait être abondée de près de 5 millions d'euros par an, soit près de 30 millions d'euros sur les voies secondaires. Un plan des sites patrimoniaux départementaux, Harcourt, Filature, Gisacôme, qui pourrait avoisiner les 15 millions d'euros. Une réhabilitation de notre hôtel département qui, entre 2022-2028, pourrait avoisiner les 15 millions d'euros. Le PPI du SDIS, hein, dont on parle beaucoup à travers, je dirais, la réhabilitation ou la reconstruction d'un certain nombre de centres de secours qui pourraient avoisiner les 36 millions d'euros. Le projet, bien sûr, soutien au territoire avec notre agence de ruralité et la déclinaison de nouvelles politiques en termes d'école, d'aménagement, qui pourrait avoisiner les 9 millions d'euros par an avec une dépense totale de 55 millions d'euros. Continuer la construction de deux collèges à partir de 2024 et globalement 20 millions d'euros pour les autres projets, équipement numérique des collèges, nouvelle intervention sociale suite aux assises, la couverture santé, tout ce programme est décliné avec un arbitrage prioritaire par rapport à nos investissements par rapport aux moyens accrus de nos politiques départementales. Donc, en conclusion, des marges de manœuvre réelles pour le mandat si la dynamique de la fiscalité ne retombe pas. Par contre, de forts risques sur la capacité à investir en cas de retournement de conjoncture ou des reprises de dépenses sociales. Il faudra, par rapport à ça, prioriser nos plans d'investissement avec une tranche prioritaire, une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Et bien sûr, prioriser les éventuelles revalorisations de nos politiques en fonctionnement et travailler bien sûr au ciblage et à l'efficience de nos politiques, de notre organisation et de nos satellites. Voilà très succinctement, Monsieur le Président, une synthèse très rapide de ce rapport. Merci, Monsieur le Président. Je laisse la parole à Monsieur Francis Courel, président de la Commission des Finances. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Effectivement, nous avons bien échangé au cours de la première commission sur ce rapport, qui n'est pas suivi d'un vote, mais dont chacun de nos collègues devra prendre acte. Je voudrais reformuler ici quelques remarques que j'ai eu l'occasion donc d'exprimer il y a quelques jours sur le sujet.
D'abord, une remarque d'ordre général. Tu l'as dit, Pascal, le dernier levier que nous avions en matière de fiscalité, qui était celui du foncier bâti, disparaît complètement au profit d'une recette issue des ressources nationales et de la situation économique nationale, qui est celui de la TVA. J'en profite d'ailleurs au passage pour donner mon opinion sur la TVA pour ceux qui souhaitent un avenir en commun avec un peu plus d'égalité des chances, de l'abattre, de faire un taux plus réduit sur les produits de première nécessité. Je ferme la parenthèse. Sur cette observation-là, les collectivités locales s'administrent librement, nous dit la Constitution. C'est terminé. C'est terminé puisque nous dépendons maintenant des droits de mutation immobilière, des recettes nationales, d'un pourcentage sur les produits des assurances. Et donc, cette proximité que l'élu avait encore en ayant le levier fiscal par rapport aux besoins de la population exprimés, eh bien, ce lien disparaît. Donc, d'ici quelque temps, eh bien, il nous suffira de recevoir, un peu comme dans les Länder allemands, un chèque de l'État que nous aurons à redistribuer. Ça, c'est la première remarque que je vais faire sur le fond. Sur la forme, mes collègues et amis, il y a quand même dans la sémantique quelques provocations. On parle d'investissement historique, de tout qui démarre à partir de 2015. Non. Les départements ont été créés après la Révolution française par Napoléon et le département de l'Eure n'est pas né en 2015, mes collègues. Francis, je n'ai repris que les termes à partir du moment où vous reprenez la majorité en 2001. Fort heureusement, c'est belle à la parole, et lui seul. Fort heureusement. Laissez quand même moi un peu vous rappeler qu'il s'est passé des choses entre 2001 et 2015. Il s'est passé des choses, notamment un redressement cette fois-ci historique, c'est vrai, des finances de ces départements qui a été donc lors du basculement de la majorité. On ne peut pas dire que les finances étaient dans cet état, puisque les agences de notation étaient là pour nous dire que nous avions des capacité d'emprunt excellente à l'époque, puisqu'il nous est même arrivé de faire des choses comme l'État, d'emprunter un terme négatif. Et puis, c'est vrai que 2001 à 2015, bah, quand même, remettre en service l'usine emblématique de M-Réal, ne pas laisser partir Giverny dans les mains d'un promoteur privé pour en faire un musée du département qui est aujourd'hui, je dirais, un peu le phare de la nation et du monde. C'est quand même des choses qui ont été faites. Lorsque je regarde les photos publiées par ma binôme Florence Gauthier, qui publie régulièrement ses visites de collège, comme je suis un homme heureux, je lui ai dit hier au téléphone, je lui ai dit, ma chère Florence, quand tu visites le collège de Passy-sur-Eure, de Conches, de Verneuil, de Val-de-Reuil, de Ponton-de-Mer, de Gisors, de Fleury-sur-Andelle, de Bourtroux, de Beaumont-le-Roger, j'en passe et des meilleurs, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces collèges-là? Qu'est-ce qu'ils sont beaux? Ils ont été reconstruits à neuf ou restructurés donc dans le mandat qui précède le vôtre. Donc, soyons humbles, attention à la sémantique. Il n'y a pas d'investissement historique. Il y a des investissements importants dans les collèges, c'est vrai, une nécessité, mais un énorme rattrapage avait été fait. Il est poursuivi aujourd'hui. Voilà, je termine, ce n'est pas polémique. Ce que je vous dis, c'est qu'en termes de collèges, il y a des efforts importants qui ont été faits avant ceux de la majorité actuelle, qui sont poursuivis. Je n'en suis que plus heureux. La deuxième remarque que je voudrais faire sur également le contenu de ce dossier, Pascal, tu l'as rappelé, ce sont nos marges de manœuvre qui sont fort heureusement, qui sont importantes. C'est vrai qu'on a un très bon niveau de CAF brut, un très bon niveau de CAF net, une capacité de désentêtement bien en dessous du seuil d'alerte des 10 années, en dessous de celui de 7, 3,5. Donc là, on a quand même une marge de manœuvre au cas où,
il y aurait une chute du marché immobilier. On peut s'attendre un jour à une bulle quand même, on ne la connaît pas. Des chutes de recettes de TVA si l'économie fluctuait, eh bien, le 50 millions que tu as dit tout à l'heure, effectivement, en marge, on peut quand même, on pourrait compenser sans trop bousculer nos prévisions, nos projets en matière d'investissement, agir sur l'emprunt, parce que là, on a quand même une marge de manœuvre importante. Le troisième point, c'est sur l'action sociale. Je pense que les assises de la solidarité devront dégager des priorités et réparer certaines injustices dont nous ne sommes pas tous responsables. Je parle notamment au sujet très sensible, en dehors de celui de nos compétences, RSA, APA, handicap, celui très sensible des aides à domicile. C'est un point sur lequel on a fait un premier effort. D'ailleurs, j'invite tout le monde, à ceux qui ne connaissent pas, à aller voir le film de ce magnifique cinéaste parlementaire qui s'appelle François Ruffin, qui a fait « Debout les femmes ». D'accord ? Allez voir ce film-là, eh bien, vous verrez quelles sont les conditions des aides à domicile, des femmes de ménage, de celles qui étaient les premiers de corvée pendant la crise et qui méritent quand même un soutien. Je vois mon collègue jamais qui dirait qu'il connaît pas un autre film. Qui commet la filmographie de François Ruffin. Le plus malhonnête de la c'est terre. Vrai. C'est vrai que je n'ai cité que Debout les femmes, et merci patron, c'est aussi un excellent c'est film. C'est la seule personne qui m'a demandé 300 000 euros pour finir un film. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi malhonnête et d'aussi corrompu. Voilà. Donc, voilà. Il sort d'excellentes institutions catholiques. Je province. Savais bien que ça allait te faire réagir. Ah non, je pense que Philippe est un escroc. Ah, oh là là, oh là là. Et qu'il fait un mal de chien aux travailleurs, et que cet hypocrite ne pense qu'à sa carrière, franchement, ne mérite pas d'être aujourd'hui. Je connais bien un jour, À la suite de ton intervention, il n'y a pas que Debout les femmes, ceux qui n'ont pas vu. Merci. Patron, peuvent le voir. Excellent film. Allez le voir, merci pour la publicité. J'avais eu quelqu'un qui a vu ça pour moi. Donc, tu parles, ce n'est pas son cas. Donc, en dehors de cet échange un petit peu latéral, cet échange latéral droite-gauche, comme au foot, mon propos. Oui, c'est vrai. Donc, sur ces assises de la solidarité, moi, j'attends beaucoup. Hein. Il y aura un débat, etc., et que le département puisse prendre le temps d'améliorer la situation des catégories sociales chez nous qui sont en grande précarité tout en étant salariés et relevant également de nos compétences. Un dernier mot sur l'aménagement du territoire. Je trouve que le rapport qui a été adopté au cours de notre dernière séance est plutôt un rapport qui va dans le bon sens, je l'ai dit à l'époque. Je confirme aujourd'hui que le fait de dissocier une enveloppe pour les grands projets structurants type agglo, comité de communes, etc., donc, qui concernent des populations plus larges que celles d'une commune, redonner de la force au couple département-commune plus l'agence de la ruralité sont pour moi des choses positives. Parce que il est évident que dans les précédents contrats de territoire, la règle un peu, c'était même une petite commune qui avait un projet, pour ouvrir droit à une subvention, soit la DETR, la région, le département, il fallait quand même être plus ou moins être dans le contrat de territoire. Et on s'est rendu compte que bien souvent, au moment des clauses de revoyure, beaucoup de projets qui avaient été abandonnés, c'était les projets qui étaient portés par des communes qui n'avaient pas la part résiduelle d'autofinancement pour réaliser leurs investissements. Donc ça, je trouve que c'est une avancée extrêmement positive. Donc, sur les sujets d'aménagement du territoire, en dehors de ce bloc-là, tu as dit que le précédent bloc, nous avions consacré 80 millions, je ne sais pas combien nous pouvons y consacrer. Et d'ailleurs… On a mis 50. Oui. D'ailleurs j'invite… invite tout le monde à se saisir de ce projet-là parce que pendant l'année 2022, nous allons discuter avec le département. J'ai vu Hervé Morin hier, lui dit « t'en es où dans les contrats, etc. » Donc, la région et l'État pour mettre en place
quand même nos contrats de territoire qui devraient être signés, j'espère, au printemps 2023, pour au moins connaître un début de réalisation dans la deuxième partie de notre mandat d'élu. On en est à ce moment-là. Après, je pense que des règles devront être définies sur les six thèmes que l'on a décidé de dissocier des grands projets structurants, c'est-à-dire dans le rapport département-commune, que ce soit sur le patrimoine, sur le sport, la culture ou le scolaire, de définir des règles, parce que je pense qu'il faut y mettre de la souplesse et de la liberté. Ça veut dire que si une commune, par exemple, peut réaliser son projet uniquement avec la subvention départementale, je ne souhaite pas que le département lui impose « tu devras aussi avoir la DETR, la DSI ou des trucs comme ça ». Donc, cette relation nouvelle entre le département et la commune, il doit rester libre si elle peut financer et qu'elle le fasse uniquement avec l'aide du département. Libre à elle de choisir, si elle veut, ou d'attendre une enveloppe DETR, etc., si elle n'est pas pressée dans son projet, mais que ça ne retarde pas, qu'il n'y ait pas de conditionnalité dans ce couple département-commune par rapport au financement de tiers extérieurs au nôtre. Voilà les remarques que j'ai formulées pendant cette session, sachant que c'est vrai que nous avons quand même de bonnes marges de manœuvre, puisque tous les clignotants de nos finances sont au vert. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la Commission des Finances pour ce propos. Alors, je vais prendre les prises de parole. Je vois Monsieur Rassaer et Jamais. Monsieur Duché reviendra sans doute sur les propos de Monsieur Courel sur le volet contractualisation. Et de Monsieur Jamais, et des propos à venir de Monsieur. Propos à venir, surtout. Imaginons que ce soit une vaste approbation. Monsieur Duché serait bien en tête. Mais sans féliciter, il interviendra quand même. Monsieur Rassaer ou Monsieur, continuons peut-être. Il vaut mieux que ce soit dans cet ordre-là afin que la réponse soit double. Oui, j'ai un petit coup de pompe. Ça va être très court. Ça va être très court. Allez, ne vous inquiétez pas tant. C'est plutôt si vous. Allez-y, Monsieur Jamais. Non. Alors, je ferais ça mieux pour vous que ce soit pour vous. Allez, Jamais. Avant, ça va être très court. C'est pour ça. C'est pas une très grande intervention. C'est déjà pour dire qu'il n'y avait pas de mesquinerie ou de provocation à commencer en 2015, je crois que c'était justement une volonté, pour le coup, d'honnêteté intellectuelle, de ne parler de la politique menée par la majorité qui est ici depuis 2015. Donc, il n'y avait pas de volonté de nier ce qui avait été fait avant quoi. Et je ne crois pas que le rapport soit particulièrement polémique dans sa présentation des choses. Dire aussi une petite précision quand même, c'est que ce qu'on oublie de dire, ok, on dit les comptes sont toujours au vert, les comptes sont toujours bons, etc. On investit beaucoup, on fait plus que maintenir les investissements qui étaient avant, c'est qu'on augmente quand même le niveau d'investissement. Quand vous dites que ce n'est pas historique, sur les collèges notamment, je crois que si dans le réalisé, on parle bien de ce qui est réalisé et pas de ce qui était prévu, voilà. Évidemment qu'on ne dit pas qu'il n'y avait aucun investissement dans les collèges, personne ne l'a dit et personne ne l'a écrit, je pense. Mais de dire qu'en tout cas, sur cette année et les mois qui viennent, là, il y a un pic d'investissement historique sur les collèges, je pense que c'est le cas quand même et qu'on peut objectivement le reconnaître. Et donc, simplement, ce que je voulais dire, c'est que, OK, les comptes sont toujours ouverts, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est cette majorité-ci qui a supporté les baisses de dotation de l'État en grande majorité, décidée par le gouvernement et sous le mandat de François Hollande. Monsieur Courel, vous pouvez porter la responsabilité. Monsieur Jamais, je ne suis pas jamais de défendre, mais il a le dos large. Je pense que vous n'étiez pas non plus anti-Hollande en 2012. Pas au début, j'ai cru à ce qu'il a dit. Monsieur Courel, c'est plus rapidement. Mon ennemi, c'est la finance, je ne l'ai pas cru. Mon intervention, elle n'était pas à visée politique, c'était juste déjà technique et financière. Non, mais là, je ne voulais pas insister là-dessus, c'était que financièrement, sur les comptes, il y a eu un impact d'environ 30 millions d'euros sur les finances départementales qui a été absorbé par cette majorité. Yes. Donc, ça veut dire que le plan d'économie qui a eu lieu à partir de 2015, qui a été quand même assez décrié par l'opposition à l'époque, assez critiqué, il a permis non seulement, il nous permet aujourd'hui d'investir dans une situation quand même un peu compliquée pour les finances locales et pour l'économie en général. Il nous a permis de protéger aussi le contribuable heurois et il a été décrié, mais il nous permet aussi aujourd'hui de garder des comptes
en très bonne santé dans un contexte où on oublie, en fait, on est conscient que c'était normal. Et ça permet de rappeler aussi que, et ce n'est pas non plus dans mes habitudes de défendre forcément le gouvernement actuel, que depuis 2017, ce n'est plus le cas. Donc cette baisse-là entre 2015 et 2017, qui a été quand même assez drastique, assez forte, elle a été absorbée et les comptes ont été toujours, enfin sont toujours en tout cas en bonne santé dans ce contexte. Voilà, je voulais juste rappeler ça parce qu'on oublie un peu trop de le dire, alors que c'est une donnée importante quand même et qui a demandé des efforts de la part des services et de l'institution. Merci beaucoup, monsieur Rassaer. Monsieur Jamais. Merci, monsieur le Président. Oui, j'ai été pendant longtemps président de la commission des finances d'autres organismes. Il y a des choses à dire. Bon, l'autosatisfaction, c'est le fait de toute majorité. Je ne sais pas si les majorités auxquelles appartenait monsieur Courel s'en sont abstenues. Je les connaissais. Non. Voilà, de temps en temps, elle pouvait dire historique également. Surtout son président. C'est un objectif. Une majorité est solidaire en règle générale de son président et elle ne s'éclate pas et elle est loyale et fidèle. Belle photo. Elle est loyale et fidèle. Elle est loyale et fidèle, ce qui est plutôt une qualité pour moi que quelqu'un qui est tout terrain et toute majorité. Première chose. Donc, l'autosatisfaction, elle est normale. Vous êtes satisfait. Si la majorité n'était pas satisfaite de son travail, on s'étonnerait quand même un tout petit peu. Et on trouverait ça bizarre. Et donc, ce n'est pas le reproche à lui faire en premier. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que le président de la Commission des finances a néanmoins été très mesuré dans ses critiques. Il a bien raison. Il a été nommé d'ailleurs en partie par cette majorité. Élu. Voilà, oui. Seul candidat de l'opposition. Élu, désigné. Oui, bien sûr. Voilà, courageux, audacieux. Ce n'est pas donné à tout le monde. Fort, fort même. Et donc, ces critiques ont été tout à fait raisonnables, je dirais. Tu avais le droit de te présenter. Raisonnable et mesuré. Et c'est très bien. Responsable. Voilà, c'est ça. Non pas démagogique. C'est cela, voilà. C'est cela. Responsable, mesuré, raisonnable. Voilà. Et donc, pour en revenir au fond des choses, moi, je n'y connais pas grand-chose. Passage par la Cour des comptes, un petit peu de responsabilité ici ou là, me font parler, évidemment, avec beaucoup moins de force que ce qui vient d'être dit. Je pense que, bien sûr, du point de vue de... Il y a un certain nombre de choses à dire pour les Eurois, d'abord, avant de le dire pour la galerie. Je pense qu'il y a des progrès considérables qui ont été faits en matière d'endettement, en matière de délai de remboursement de la dette, en matière de gestion des emprunts, en matière d'augmentation de l'épargne brute. Quelques chiffres, ça ne fait pas de mal généralement dans un rapport de la Commission des finances, rappelant que de 2015 à 2017, 60 millions d'épargne brute étaient rassemblés par cette assemblée, qu'elle a su en rassembler 88 en 2020 et qu'elle en propose 96 aujourd'hui. Or, l'épargne brute et l'épargne nette sont les juges de paix d'un budget, en règle générale. C'est la capacité à durer, c'est la capacité à être solide, c'est la capacité à faire face à un certain nombre de circonstances que l'on n'attendait pas. Je noterai également que la signature du département auprès des banques, alors, les taux d'intérêt négatifs, on est dans de nombreux endroits à s'en féliciter, et des directeurs financiers dans des entreprises qui disent, vous voyez, honnêtement, diminuer, bien qu'on ait pris plus d'emprunts, la preuve, c'est qu'on nous donne de l'argent pour prêter. Donc, voilà, c'est général. Encore faut-il savoir le saisir et être en situation de l'être. Je ne suis pas certain que des départements soient la meilleure signature du monde. Celui-ci, apparemment, a su rassurer les gens. Donc, c'est quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut avancer, c'est-à-dire que les fondamentaux sont bons. Et s'attarder un tout petit peu dessus, puisque nous sommes dans des orientations budgétaires. La quatrième chose, après l'autosatisfaction, après la commission des finances, après les fondamentaux, c'est aussi la comparaison. Parce qu'un rapport d'orientation budgétaire se fait comparaison dans le temps, comparaison dans l'espace, en général en tout cas. Et là, une comparaison avec une autre collectivité, je pense à la collectivité régionale, laisse montrer qu'il y a plus d'informations, plus de transparence, plus de visibilité, plus probablement de projections dans l'avenir, qui sont également des éléments rassurants, messieurs les présidents, des gens qui sont des administrés et j'imagine des contribuables. Donc, de ce point de vue-là, un rapport fort et important. En revanche, il y a deux, trois choses que je verrais volontiers évoluer, mais surtout, simplement en représentation de l'opposition. Ce ne sont pas des orientations stratégiques, ce sont des orientations. C'est-à-dire qu'il y a toutes les orientations, il y a tous les chemins du possible. Est-ce que la politique de ce département, la politique de son président, la politique de sa majorité sont illustrées pas tellement. On prend tous les sujets et on dit tous les sujets, on va les traiter. Ce qui est mieux que de dire tous les sujets, on ne va pas les traiter. Mais ils auraient pu être hiérarchisés, des priorités auraient pu apparaître,
J'ai un peu l'impression qu'il y a, plutôt que la liste de la commission permanente, qu'il y a la liste permanente des commissions. C'est tout à fait la même chose. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faudrait que vous vous engagiez sur un, deux ou trois points et que vous le disiez clairement, donc ce sont les vôtres. Là, les comparaisons, j'ai dit, elles manquent un peu dans le rapport, monsieur le directeur général. Il y a des départements autour de nous. Il y a des départements qui ont la même taille que nous. Il y a des départements qui ont la même sociologie que nous. Que font-ils? Où sont-ils? Pas mauvais d'aller chercher dans les quatre quarts de la France un peu de ce qui se fait dans le Grand Est, un peu de ce qui se fait en PACA. D'ailleurs, on peut peut-être en tirer des réflexions et des remarques tout à fait favorables à notre département. Et puis, il y a ce qui a été dit par le président de la Commission des Finances, qui a raison, les dépenses contraintes, là aussi, des chiffres peuvent aider l'institution financière. 402 millions sur 406, sur 466. C'est quand même terrible que ces dépenses soient déjà quasi engagées par la répartition dans des allocations. Et puis, des recettes qui dépendent, vous l'avez dit, et vous avez eu raison de le dire, essentiellement du bon vouloir de l'État. Et donc, nous ne votons pas de taux, nous ne votons pas d'impôts, nous n'avons donc aucun pouvoir de ce point de vue-là, ce qui est une interrogation forte sur les départements dont certains ici ont eu la responsabilité de la relation avec l'exécutif. Je remarquerai néanmoins que sur, on va pouvoir faire des choses, les coûts partis tels que vous les avez appelés, monsieur le président Lehondre, c'est 92 millions de crédits de paiement qui sont dans des autorisations de programme déjà ouvertes. Voilà, donc si on dit que sur le fonctionnement on est contraint, sur l'investissement on est aussi contraint d'une certaine façon. On pourrait donc dire de manière assez forte, alors là ce serait historique mais moins sympathique, qu'on est historiquement contraint et historiquement ficelé par l'impossibilité de taper dans nos recettes, et, enfin de les faire évoluer, et l'impossibilité de faire évoluer nos investissements. Il y a aussi deux, trois choses qui apparaissent, mais alors là c'est là évidemment, nous avons un seul dieu en deux personnes, qui est le président Lecornu, et un certain nombre d'avancées qui sont des avancées gouvernementales. Quand on dit c'est formidable l'aide à domicile, c'est le projet de loi de financement sur la sécurité sociale qui a amené ce 15%. Quand on lit rapidement, on a l'impression que c'est le département qui a accompagné ce 15%, donc ce 15%, c'est celui du PLFS. Voilà, il y a une chose, alors là, c'est le seul moment où je serai un tout petit peu politique, sur les dépenses sociales, le président de la Commission des Finances l'a remarqué, mais moi je le qualifierais, elles sont systématiquement renvoyées aux assises de la protection. On est dans un débat de rotation budgétaire, ça pourrait y figurer. Et très franchement, c'est encore ce que vous avez fait au début du mandat précédent. C'est un peu pour chasser la fraude, surveiller, faire attention. Alors qu'il faut lutter contre l'exclusion et la précarité. Ça apparaît encore un tout petit peu, monsieur le Président, dans les termes employés. Moi aussi, j'ai lu avec beaucoup d'attention ce rapport qui est bien fait. On est quand même dans un système où, voilà, je pense qu'il y a plus de gens qui ne font pas valoir leurs droits que de gens qui exagèrent sur leurs droits. Et puis, il y a des moments où le rédacteur parle et qu'une bonne séance de divan lui ferait du bien. L'achèvement d'un cycle historique du collège, moi j'ai vu le cycle historique d'achèvement des collèges, c'est plutôt ça pour ce qui est de Pablo Neruda et de Pierre Mendès France. Je ne sais pas quels sont, dans votre collègue, monsieur le président de la commission des finances, votre collègue fait des photos. Elle aura du mal à faire les photos du collège Pierre Mendès France, puisque vous disiez qu'elle était allée au travail, à Val-de-Reuil. Donc, ça rendait les choses compliquées. Enfin, c'est la dernière partie qui me gêne le plus, c'est-à-dire celle des scénarios. On n'a pas de scénario politique, on a des scénarios financiers. C'est un peu la même critique que pas de comparaison dans l'espace, c'est un peu la même critique que des priorités qui sont définies, c'est un peu la même critique qu'on renvoie aux assises de la protection sociale. Une fois encore, ces orientations budgétaires sont bien faites, elles sont rigoureuses, elles sont transparentes, elles sont dites. Mais à un moment, est-ce qu'on est de droite ou est-ce qu'on est de gauche? Alors, je sais bien qu'on est en même temps, mais ça ne suffit pas. On est dans un département, il y a une proximité, on est dans le local. Il faut bien dire ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire. Et là, il manque un tout petit peu dans ces orientations budgétaires le mode d'emploi, la clé, la règle. Alors, la majorité est large, posée de beaucoup de gens. Mais quand même, voilà, ça m'a manqué que dans ces orientations, il manque une seule chose qui était les orientations, puisqu'elles étaient stratégiques. Budgétaire, bien évidemment, les orientations politiques du président. Je ferai ça plutôt que ça. Le social, ce n'est pas ma priorité. Moi, c'est autre chose. Ou le social, c'est ma priorité. Et autre chose, ça n'est pas. Voilà ce qui m'a manqué. Simplement, ce que je voulais dire, pour la parole, on comprendra, évidemment, les orientations stratégiques d'une majorité de gauche seraient un tout petit peu différentes. En tout cas, prioriser vers le social, le logement, par exemple, et la santé, en tête.
Merci, Monsieur le Président. Et même de ce dernier point, il faudrait le démontrer. Ah, Madame Florence Gauthier, vous avez la parole, puis Frédéric Duché, je ferai une réponse et on passera au vote. Car il y a un vote. Alors, merci beaucoup, je vous ai bien écouté. Et vraiment, j'ai souri et je suis très contente déjà parce que je vois que vous constatez que les collèges sont très bien entretenus. Je voudrais quand même qu'on n'oublie pas la politique assez dynamique sur les travaux. Cet été, il y a eu 3 millions de travaux qui ont été faits pour nos collèges. Quand tu parles, Francis, par exemple, du collège de Passy, le collège de Passy a été construit en 1974. Donc aujourd'hui, c'est un collège qui est très bien entretenu parce qu'il y a aussi une politique très dynamique sur les travaux tous les étés. Je voudrais qu'on remercie énormément aussi nos 550 agents qui font un travail quotidien sur l'entretien des collèges. Et puis honnêtement, un plan pluriannuel d'investissement de 215 millions d'euros, si ça, ce n'est pas un plan ambitieux, moi, je suis un peu comme la fosse, je suis sceptique. Merci beaucoup. Monsieur Duché. Oui, très rapidement, déjà je suis ici de voir cette opposition unie en permanence depuis le début de la séance. Juste de rappeler, l'Agence de la ruralité, puisque Francis, oui, on dirait la gauche unie. La gauche a fait une politique de la droite, de la basse tension, etc. Voilà, on a compris. Cherche ton drame, hein. François Hollande qui avait tous les bouts de popcorn. Donc, pas pour ah oui, là, j'aime beaucoup. Ah oui. Allez, les trahisons aujourd'hui. Ce commentaire, c'est pas pour remettre une pièce dans la machine. Mais pas vide. Hein. Quand j'entends la droite ou la gauche, évidemment la gauche fait une politique de droite. Je veux dire, il est disqualifié le monsieur qui exprime cela. Non, il explique l'abstention, etc. Le truc, voilà, trahison de la classe ouvrière, mon cher monsieur. Ça, c'est historique. Je vais juste revenir sur des sujets un peu plus locaux, agence de la ruralité, contractualisation, et ça reviendra aussi sur le, en même temps, parce qu'effectivement, le conseil départemental est contraint par la loi sur les dépenses sociales, et c'est tout à fait normal, et je partage ce que vous avez dit en partie, monsieur le président. Jamais. Sur l'agence, mais en même temps, il nous faut aussi accompagner nos collectivités. Lors d'une précédente commission permanente, vous étiez en train de vous écriez que vous n'avez pas suffisamment sur vos cantons. Et pourtant, ce ne sont pas des dépenses obligatoires du département, donc il faut bien qu'on puisse équilibrer. Parce que, et je rejoins ce qu'a dit Francis, on a tiré aussi les expériences du premier mandat, de la contractualisation, du blocage que nous avons pu constater avec les communes qui avaient des projets qui n'étaient pas retenus au titre des contrats de territoire. Et c'est pour cela que nous avons modifié ou proposé de modifier les choses. Ce rapport interviendra dans le courant de l'année 2022 avec les dispositifs et les volumes associés. L'agence de la ruralité est aussi, n'est pas une obligation légale en soi dans une collectivité comme la nôtre, mais elle fait partie aussi de ce lien de proximité que nous souhaitons avoir avec les collectivités dans l'accompagnement au quotidien. Donc, voilà, moi je trouve que ce budget il présente des opportunités, enfin ce rapport d'orientation budgétaire présente des opportunités. On peut toujours évidemment mettre grand 1, grand 2, tiré A, tiré B, c'est assez court des comptes effectivement, mais ça peut être utile, je ne disconviens absolument pas. Effectivement, pour le moment on est sur un rapport d'orientation budgétaire, je pense que la traduction politique, vous la verrez au niveau du budget, avec l'atterrissage financier de la collectivité, donc je pense qu'on sera à ce niveau-là et que ça permettra de donner aussi les grandes orientations. Aujourd'hui, pour ce qui concerne ma délégation, je ne suis pas encore, puisque nous attendions évidemment l'atterrissage financier et les propositions budgétaires, en capacité de donner les volumes sur les dispositifs dont j'ai la charge, d'accompagnement des collectivités locales, puisque, voilà, mais elles vont faire partie, et on vous l'a déjà quand même dit sur le dispositif d'accompagnement financier, en priorité, nous irons vers les écoles, à travers le dispositif Mon École, Mon Avenir, qui nous paraît indispensable et en lien pour le coup avec les compétences du département sur les collèges, puisque nous sommes pour une espèce de trajectoire, contrôle de trajectoire de la scolarité des jeunes Eurois de ce département. Merci beaucoup, Monsieur le Président Duché. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Monsieur Jamais, je ne vois personne en visio. Monsieur le Président, je vous en prie. Et très brièvement, là, c'est vraiment un problème de philosophie des finances publiques.
le document le plus intéressant en finances publiques, ce n'est pas le budget qui sera voté, qui est un ordonnancement, etc. C'est celui qui fait foi. Moi, je classe avant lui le compte administratif qui dit la vérité, par rapport à tout ce qu'on a pu raconter. Et je classe avant encore le DOB. Non, mais c'est un peu l'Académie des sciences morales et politiques. Et le DOB, c'est le moment où on dit tout. Non, mais je ne peux pas dire j'en ai sous le pied, j'en dirai encore un peu plus. Le DOB, c'est vraiment le truc où on se dit, bah voilà, je me mouille. C'était juste pour la priorité. Est-ce qu'on l'a fait au budget ou est-ce qu'on l'a fait au DOB? Je vous réponds. Pour moi, au DOB. Voilà, mais ça, c'est... Bien. Merci pour l'échange. Ah, pardon. C'était juste pour vous dire quand même que moi, j'avais la présentation technique et bien sûr, le président, non, la conclusion politique. Oui, c'est débutant. Vous allez voir, une carrière dans le département d'autres. C'est bien connu, les présidents Rassert et Londres ne font que du technique. Et vous rappelez que par rapport aux aides sociales, quand même, à chaque fois que l'État a mis un euro, le département met un euro. Félicitations pour les EHPAD. Alors justement, merci déjà pour l'échange parce qu'on est dans un échange du niveau de ce que nous attendons néanmoins, les orientations stratégiques pour le conseil départemental. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Jamais, sur la hiérarchisation entre le rapport, le budget primitif, et vous l'avez dit vous-même, au fond, c'est quand même compte de gestion, compte administratif, avec les vraies épargnes qui donnent le juge de paix. Et au fond, quand même, le budget primitif qu'on va vous présenter dans quelques semaines, il va quand même affiner des chiffres, et je vais y revenir, mais mettre un chiffre traduit malgré tout l'orientation d'une politique. Plusieurs commentaires. Bon, le président Courrel a rappelé la question de l'autonomie des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel l'a tranché. L'autonomie financière n'est pas l'autonomie fiscale, même si je me suis parfois beaucoup, beaucoup étonné d'entendre François Baroin lorsqu'il présidait l'Association des maires de France, ou même Gérard Larcher, ou un certain nombre de personnalités éminentes connaissant bien les collectivités territoriales, parler d'autonomie fiscale. Il n'y a pas d'autonomie fiscale dans la Constitution, une autonomie financière, dont le juge constitutionnel évalue à chaque loi de finances si le niveau de contrainte est suffisamment important pour entamer cette autonomie. Et je dois bien avouer que le Conseil constitutionnel, qu'il soit présidé par M. Debray ou présidé par M. Fabius, ce qui, chez nos autres Normands, doit compter, a estimé à chaque fois que l'autonomie financière de la collectivité départementale n'était pas remise en cause au sens constitutionnel. Vous avez le droit de la contester sur le terrain politique, vous pouvez y venir, mais en tout cas, notre Constitution ne le dit pas clairement, et celui qui est en charge de veiller à cela ne dit pas ça. La comparaison avec l'Allemagne est intéressante. C'est plus qu'une décentralisation, c'est un État fédéral. Et il n'y a pas de fiscalité directe. Donc là, le degré de conversation et de réflexion est le bon. C'est un énorme système de dotation dans un pays fédéral. Et pour autant, on l'a bien vu pendant la gestion de crise, Mme Merkel, pour gérer le Covid-19, passait son temps à négocier avec les présidents de différents pays. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le modèle de ressources est un des ingrédients, un des critères pour évaluer la capacité à exercer une politique décentralisée, mais ça ne peut pas être le seul. Ça ne peut pas être le seul. Ensuite, si vous voulez me faire dire que la collectivité départementale est à croiser des chemins sur recettes et dépenses, la réponse est oui. Parce que nos recettes sont désormais soit figées, mais c'est bien heureux, on y reviendra parce qu'elles ont parfois diminué dans le passé, de par l'État, soit elles sont dynamiques. Et les dépenses en face sont dynamiques aussi, et en général dans le même sens, c'est-à-dire que plus vous avez un choc sur la croissance, moins vous avez de recettes, notamment des MTO potentiellement, s'il y a un impact sur la consommation, et plus vous avez des personnes dont il faut accompagner socialement, le RSA. Ça, c'est le volet dynamique. Et puis, on va y rajouter en plus une autre variable, qui est le vieillissement, sur du structurel. Et pour le coup, l'APA, on voit bien la question de la branche autonomie, enfin, tout ça sont des sujets de campagne présidentielle par ailleurs. Mais donc, il est évident que la strate départementale, elle est une forme de croisée des chemins. Est-ce qu'elle nous empêche d'avancer dans ce mandat 2021-2028? Je ne le pense pas à ce stade. Ce qui m'amène au commentaire suivant. Je ne reviens pas sur la baisse de la DGF. Il est clair que entre le moment où nous avons fait campagne aux élections municipales de 2014, qui ont conduit un certain nombre de personnes dans cet hémicycle virtuel, ici physique, à être soit réélus, soit élus, je regarde un peu le maire de Gisors, le maire des Andelys au hasard, j'étais moi-même jeune maire de Vernon, il est clair qu'entre le moment où on a fait campagne, nous sommes engagés sur un certain nombre
d'orientation politique et le moment où le gouvernement de l'époque nous a effectivement appris que les collectivités territoriales participeraient à un effort de redressement des comptes de la nation, qui d'ailleurs n'est pas un mauvais objectif en soi. Ce qu'on voulait juste, c'est qu'on nous le dise avant. C'était surtout ça, pour ne pas avoir des engagements politiques qui étaient en décalage. Et ça a été pareil pour notre programme pour les élections départementales de 2015. Lorsque nous avons pris la majorité, nous nous sommes engagés avec un cadre financier qui a diminué, enfin en tout cas qui a évolué ensuite. Et on a quand même tenu nos engagements. Et on les a quand même tenus, en faisant un plan d'économie, et pas que sur la fraude. Des économies au pluriel. Bon, je ne reviens pas, ces débats ont déjà eu lieu dans le passé, mais ils nous permettent d'arriver à ce troisième point, et le président Jamais nous en a donné quitus, comme le président Courrel, c'est que les fondamentaux sont bons. Les fondamentaux sont bons, et ça, pour le coup, il y a une forme de continuité. Je crois avoir rendu hommage à Jean-Louis Destang bien des fois sur bien des sujets. D'ailleurs, parfois, certains de mes amis politiques ne le comprenaient pas. Le musée de Giverny, ma première prise de parole comme président de ce musée était pour rendre hommage au courage du président Destang. Et je crois pouvoir dire que nous avions récupéré une situation financière qui était ambiguë. Ambiguë parce que une dette maîtrisée, président Lehongre pour en parler mieux que quiconque, et en même temps un fonctionnement qui cavalait, pour résumer les choses. Donc une épargne qui se brûlait, on l'a suffisamment dit. Et il est vrai que cette collectivité n'était pas mal gérée, mais les marges de manœuvre pour qu'elles soient mieux gérées étaient tout à fait colossales. Et nous les avons faites, et d'ailleurs vous nous avez accompagnés, je le dis pour les conseillers départementaux de la minorité du mandat précédent, vous, Madame Léger, d'autres, Madame Day, bref, on fait confiance à l'exécutif départemental, et Pascal Londres, depuis 2015, qu'il préside la collectivité ou qu'il en soit vice-président, y a veillé. Si les fondamentaux sont bons, ça nous permet d'arriver aux remarques du président Jamais, c'est que nous nous sommes toujours dit que c'était la cigale et la fourmi. Et qu'au fond, garder des marges de manœuvre nous servira en cas de coup dur. Quels sont les coups durs? Coup dur sur les recettes. Et là, pardon président Jamais, mais il faut bien mettre quelques scénarios à la fin. Parce que si les DMTO sont bons ou mauvais, ben, ma foi... Ou alors on fait différemment. Pas que. Non, mais j'en fais exprès en disant ça. C'est... Ou alors, mais parce que la presse nous suit et c'est une séance publique. Ou alors on met un seul scénario, mais il ne faudra pas après dire vous... Non, mais vous étiez trompé, vous avez été trop confiant sur l'avenir des recettes en termes de DMTO, etc. C'est juste ça que je. Non, mais je fais la. C'est bien. J'en avance un malheur. On avance une critique. La conclusion politique aurait été. Je vais y venir. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez quelques dizaines de millions d'euros, enfin quelques dizaines, pas non plus des tonnes, mais enfin, vous avez plusieurs millions d'euros qui peuvent varier très facilement à la baisse ou à la hausse sur les DMTO, traduction grand public, les frais de notaire, pour faire vite. Et ça rentre quand même dans l'équation au moment où on se parle. Et on revient à ce que vous dites très justement, président Jamais, c'est quand même au compte administratif que derrière, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, et au fond, bah, c'est à la fin du bal qu'on connaît le montant des DMTO. Donc ça, on ne peut pas le nier. Donc, si les fondamentaux sont bons, ils nous autorisent à prendre des risques. Et au fond, je vais peut-être venir de manière plus claire aux orientations politiques telles que la majorité qui a été reconduite au mois de juin dernier souhaite les prendre. Nous avons des marges de manœuvre en matière d'endettement. Il se trouve que « Aide-toi, le ciel t'aidera », le conseil départemental, que ce soit présidé par M. Collard, M. Destang, M. Long ou moi-même, a toujours beaucoup, beaucoup concouru, et ça a été dit par Francis Courrel, au soutien aux collectivités infra-départementales, en clair, les communes et les EPCI. La refonte de notre dispositif effectivement, a pour but d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, beaucoup plus pilotable, et au fond, je le dis, beaucoup plus rural. Encore que je suis élu d'une commune urbaine, même les communes urbaines ont suffisamment d'imprévus pour avoir besoin parfois de vite rebondir sans forcément avoir des dépenses qui sont trop figées dans le temps. Ça m'amène à un autre commentaire. Parfois, le conseil départemental a négligé ses propres politiques publiques ou sa propre maîtrise d'ouvrage, en tout cas en investissement. Pas une critique, c'est vrai. Quand j'ai été élu en 2015, le fait que 13 à 15 bâtiments paillerons existent encore disait quelque chose quand même de l'état du bâti départemental. Pas d'autosatisfaction sur la question du domaine routier. Président Plouvier et d'autres dans vos cantons, vous voyez bien qu'il y a des attentes sur l'entretien du patrimoine routier.
Vous voyez bien que la collectivité, dans le passé, sous présidence de Jean-Louis Destang, a fait des choix culturels. Vous avez parlé de Giverny, mais Giverny, j'ai réussi à sauvegarder ce modèle. Bon, je préside le BCC, c'est mon canton, j'y ai mis beaucoup de cœur, vous le savez. Bon, j'essaie que ce soit le plus unanime possible. Enfin, la majorité précédente auquel vous avez fait partie a eu le courage de se dire « Harcourt, il faut acquérir, il faut faire quelque chose ». La filature Levavasseur, il faut acquérir, il faut faire quelque chose. Gisacom, vous avez fait quelque chose. Bon, enfin, la filature Levavasseur au Harcourt, soit on y va une bonne fois pour toutes, on fait de chouettes projets de grande envergure, soit il faudra se poser d'autres questions. Les routes, le patrimoine culturel, l'hôtel du département. Madame Dutheil va prendre la parole dans un instant pour parler de notre politique en matière de développement durable. Enfin, nous sommes les élus de la plus belle passoire thermique des Vosges. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, nous autres élus, nous y passons quelques heures. Nos agents y passent le plus clair de leur temps professionnel. Est-ce qu'on peut laisser l'hôtel du département, qui certes n'est pas... C'est sûrement moins important qu'un collège en tant que tel, mais enfin, en même temps, on est propriétaire, puis on a la gestion de cette affaire. Donc, si nous-mêmes, on ne décide pas de travaux importants sur l'hôtel du département et qu'on dit on verra ça plus tard, bah, les successeurs se retrouveront dans les années 2030 à devoir je ne sais trop quoi. Bon, donc... Je pense que dans les orientations stratégiques, président Jamais, il y a le fait déjà de reprendre soin de nos propres investissements, de nos propres emprises et de notre propre maîtrise d'ouvrage. Oui, mais je pense que c'est un moment où on va, sur les premières années de ce mandat, on va accentuer l'effort. Et d'ailleurs, je mets les pieds dans le plat, mais lever de la dette pour donner des subventions aux communes, c'est quand même pas intuitif, parce qu'elles-mêmes peuvent lever de la dette, surtout quand les taux d'intérêt sont bas. En revanche, si nous, on ne lève pas de la dette et de l'emprunt pour entretenir l'hôtel du département ou les collèges ou faire un projet à la filature Levavasseur, que sais-je, qui va le faire? Donc, c'est sûr, dans nos orientations stratégiques, il y a le fait de prendre un peu plus soin de nous-mêmes, nous, collectifs, parce que quand même quand on est conseiller départemental de la minorité, on se sent évidemment complètement en responsabilité sur le patrimoine départemental. Ça, c'est une orientation majeure. L'autre orientation majeure, je ne serai pas trop long parce qu'on y reviendra au budget. Le renvoi aux assises n'est pas qu'une manière de gagner du temps. Je veux que les choses soient bien claires. D'ailleurs, j'en ai une preuve. Le Ségur médico-social. On n'a pas attendu la fin des assises pour clarifier les choses. L'actualité douloureuse que l'on connaît ces jours derniers sur un EHPAD, enfin sur une maison privée de gestion d'EHPAD, nous montre bien l'extrême sensibilité, l'attente bien légitime, fraternelle, au sens républicain du terme, que l'on doit avoir vis-à-vis des personnes les plus âgées, et le Covid n'a rien arrangé à l'affaire. On n'a pas attendu la fin des assises pour dire, là où l'État met un euro sur le médico-social dans le cadre du Ségur, le Conseil départemental y va. Olivier Véran me disait l'autre jour, il se trouve que l'ordre protocolaire fait que nous sommes assis pratiquement systématiquement l'un à côté de l'autre, et à chaque fois il me redit, tu es le seul Conseil départemental de France à faire pratiquement ce 1 euro pour 1 euro. Je pense qu'il faut qu'on le revendique. Olivier Véran fait certains déplacements ministériels dans lesquels les élus départementaux ne sont pas présents pour les annonces du Ségur sur le médico-social. C'est pour le moins curieux. Nous faisons tout l'inverse. Et on n'attend pas la fin des assises. Les assises vont nous aider. Vous avez raison de dire et de rappeler, l'un et l'autre, que la plupart de ces dépenses de fonctionnement sont des dépenses dites obligatoires et donc au fond déjà engagées dès le premier de l'an. C'est vrai pour l'enveloppe globale. À vrai dire, quand on gratte un peu, et Martine Saint-Laurent, Anne Terlez, Diane Le Seigneur, enfin, j'en oublie, mais les collègues qui sont en charge des politiques sociales de cette maison, la manière dont on exécute ces politiques néanmoins reste pilotable. Parler du juste droit, la manière dont on bâtit un service public qui peut être plus numérique avec une stratégie d'aller vers, la question de l'implantation de nos UTAS et de nos différents centres médico-sociaux. Ce sont des sujets qu'il va falloir traiter dans le cadre des assises. La question de la protection de l'enfance. La réalité, c'est que nous vieillissons et que la réalité de la politique départementale de 2015 n'est pas celle de 2022 et que le nombre d'enfants placés devient tout à fait préoccupant, que la nature même des raisons du placement devient nouvelle. Quand elle n'est pas nouvelle, en nombre, elle devient significative. Et au fond, on le voit bien, et vous le verrez dans les stratégies budgétaires,
Il est clair qu'on va mettre plus de moyens à terme sur la question de la protection de l'enfance. Je ne vais pas plus loin parce que je ne veux pas, au contraire, confisquer ce débat avec les partenaires. Non, mais je ne suis pas famille d'accueil. Je ne suis pas agent à la CRIP. Je ne suis pas inspecteur enfance-famille. Je ne travaille pas dans une MEX. Et donc, j'essaie d'avoir l'humilité de dire qu'on va laisser les gens qui ont décidé d'engager leur vie professionnelle sur ces sujets nous dire ce qu'ils attendent au fond. Et puis, sans démagogie, nous, collectivement, on dira ce qu'on est capable de faire, soit parce que la loi nous autorise ou pas, soit parce que financièrement, on est capable de faire ceci ou cela. Donc, les assises, c'est cette promesse-là. C'est vrai de l'autonomie, c'est vrai de la lutte contre la pauvreté, de l'insertion, etc. Donc, je crois que les assises, elles vont permettre d'affiner les hiérarchisations et les stratégies. Donc, si vous voulez effectivement que je dise qu'en ce début du mois de février, toutes les hiérarchisations ne sont pas faites sur le social, c'est vrai. Il y a des gros morceaux. Le Ségur sur le médico-social en est un. Je vous ai donné une piste sur la protection de l'enfance. Mais il est clair que nous voulons co-construire parce que j'aimerais aussi arrêter une stratégie qui soit vraiment pluriannuelle sur ces affaires. Il n'y a rien de pire que le stop and go. Un petit coup sur l'enfance une année, un petit coup sur l'autonomie l'autre année, un petit coup sur le handicap. Non, je pense que là, vraiment, il faut qu'on fasse un tout. Et ça, ça comptera. Sur les investissements, vous nous dites on est aussi contraint. Oui, enfin, il se trouve qu'effectivement, on est contraint par les choix de la précédente majorité. Alors, il se trouve que c'est la même. Donc, nous, notre contrainte nous semble assez facile à digérer parce qu'il s'agit d'exécuter en crédit de paiement des choix que nous avons faits dans le mandat précédent. Ainsi va le rythme des travaux. Enfin, vous êtes maire, vous savez comment ça fonctionne. Entre le moment où vous appuyez sur la touche pour la construction d'un bâtiment ou d'une infrastructure importante, c'est-à-dire la différence avec les routes, encore que la déviation des vœux, d'année en année, on inscrit des sommes et ça y est, on commence enfin à seulement les dépenser. En tout cas, sur l'investissement, nous sommes liés par de bonnes nouvelles. Il est clair que cette année, on crache du crédit de paiement, notamment pour construire et finir le plan collège. Bon, bah, c'est plutôt une bonne chose parce que ça se traduit quand même par des choses tout à fait concrètes. Et ça, je crois que pour le coup, c'est une contrainte relative. En tout cas, ces orientations budgétaires, elles doivent se lire aussi à l'aune de ce que nous voulons pour 2023 et les années suivantes. Et de fait, il y aura toujours un scénario haut et un scénario bas à cause de ces fichus des MTO. En tout cas, je crois pouvoir vous dire, pour avoir été ministre en charge des collectivités territoriales, que la stabilité de la DGF depuis 2017 est quand même bien heureuse pour éliminer quelques scénarios de risque. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. En tout cas, je pense que cette stabilité de l'État vis-à-vis des collectivités territoriales, à mon avis, est une bonne chose parce qu'elle permet d'exécuter des missions de service public qui sont parfois difficiles. Merci pour le don d'acte sur la transparence du document parce que au-delà de l'autorité que Pascal Londres met dans cette affaire, derrière, c'est effectivement Pierre Stucci, l'ensemble des équipes de cette maison. Ce n'est pas que l'affaire de la direction des finances, puisque chaque direction est appelée à contribuer. C'est un effort de synthèse, ce n'est pas que de la juxtaposition de tableaux et de chiffres. Derrière, il faut qu'une maïeutique se fasse, et les mêmes équipes doivent en plus apprendre à partager les contraintes, et que cet exercice, évidemment, a des vertus en termes de ressources humaines en interne. Monsieur le Président, jamais vous souhaitez revenir sur un point. Est-ce que demain sera très différent d'aujourd'hui, monsieur le ministre? Vous n'avez pas de cauchemar la nuit, quand même. Non, ça dépend de vous. Oh, ça... Non. Vous apporterez le 3,5%. Ça dépend de vous, monsieur le président. Mais en revanche, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord là aussi. Techniquement, pendant très longtemps, nos budgets n'ont pas été pluriannuels. Et on avait tort. D'où APCP, monsieur le directeur général, qui ont quand même mis un peu d'ordre dans tout ça, techniquement. Dieu sait que c'est le moment le plus chiant, pardon, d'une discussion budgétaire, et c'est le moment où tout le monde sort pour aller passer ses coups de fil, c'est fondamental. Mais en même temps, il y a de la nuitée. Et donc, c'est vrai que quand au premier jour de l'année, on sait déjà où 100 millions d'euros d'investissement sur 150 vont passer, je dirais qu'il y en a deux tiers qui sont déjà... Donc, notre capacité à décider là, sur une première année de mandat, quand même, elle n'est que d'un tiers de l'investissement. Voilà, c'est tout, c'est ce que je faisais remarquer. Vous avez raison, c'est bien de poursuivre, d'avoir une vision pluriannuelle, c'est bien aussi d'avoir un petit peu de marge de manœuvre, de dire, tiens, on va faire ça rapidement. Aux deux tiers, on est engagé, aux deux tiers, on peut décider. Voilà, c'est tout, c'est la remarque. Pluriannualité, annualité. Après, Madame le Seigneur reviendra tout à l'heure, mais le coup de pouce énergie ou chèque énergie, ou le plan de relance que nous venons de faire, montre bien aussi qu'en conduite ou en gestion, nous sommes quand même capables de retomber sur nos pattes. J'ai oublié un point important. Dans une des plénières de l'année 2022, nous aurons à parler du SDIS. Puisque si le département change, le niveau des interventions change également.
Et le service public départemental d'incendie et de secours, il est évidemment clé en rural comme en urbain. Et donc, les colonels, sous l'autorité de M. le préfet, viendront devant l'Assemblée départementale pour présenter aussi cette stratégie. Alors, ça prend un terme barbare qu'on appelle SDACR. Enfin, d'ailleurs, le SDACR, moi, j'appelle le service public de l'incendie de secours, ça me semble beaucoup plus intelligible, qui pose des questions notamment pour la vallée de la Seine, monsieur le maire, pour la ville d'Évreux et son agglomération, avec un besoin important immobilier, un besoin important en sapeurs-pompiers, un besoin important en formation. Et donc là, les organisations syndicales du SDIS sont en train d'être associées évidemment à ce travail-là sous l'autorité du préfet et du chef de corps départemental. Mais enfin, ça posera des questions évidemment financières parce que si les pompiers sortent de plus en plus, c'est qu'inévitablement, il faudra leur donner des moyens. Donc ça aussi, évidemment, nous aurons l'occasion d'en reparler. Vous avez même réussi à avoir un pompier de plus en stagiarisation. Il est prêt à nous sauver si jamais on avait... On se débrouille, on se débrouille. Ah non, mais un pompier de plus, là, on passe. Et encore, le colonel dans civil. L'autorité parlait. Bien. En fait, ce n'est pas un débat d'organisation budgétaire, mais un rapport d'organisation budgétaire. Et donc, comme c'est un rapport, il faut le voter. Je crois qu'un ancien ministre en charge des collectivités territoriales avait dû mettre un avis favorable à un amendement parlementaire sur ce sujet au banc, si ma mémoire est bonne. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, monsieur Jamais. Madame Léger. Madame Léger. Monsieur Nodibio, j'imagine. Normalement. Il a levé la main. Il lève la main. Il est en haut à gauche, il lève la main en champ. Alors, monsieur Nodibio, je l'ai bien. Madame Léger, elle n'est pas, autant pour moi, c'est pouvoir, c'est par le pouvoir. Autant pour moi. Et monsieur Rodibio est également par là. Et de madame Béton, j'imagine. Exactement. Très bien, donc le groupe de monsieur Jamais au grand complet. Malgré les recours. Au grand complet, disais-je, oui, effectivement. Au grand complet, malgré les recours. Attention, parce que l'appel au Conseil d'État est possible. Oui, il y en a un qui est déjà engagé. Pas en cause Alfred Recours, hein, qui est... Du coup, elle pourrait partir. Mon prédécesseur, qu'est-ce que vous faites? Non, c'est pas le très drôle. Je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est fait. Et ce recours, elle, oui. Qui est pour? L'ensemble des autres collègues conseillers départementaux. Je vous remercie. Je vous propose justement, si on continue d'aller dans le détail des politiques publiques départementales, de laisser la parole à Madame Myriam Dutheil pour un rapport annuel qui lui aussi, de par la loi, est obligatoire, mais c'est un peu comme le rapport que Mme Saint-Laurent a présenté. En fonction de ce qu'on y met dedans et du niveau d'ambition, ça prend évidemment une tournure beaucoup plus concrète et opérationnelle. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être brève pour ne pas vous faire trop attendre avant l'heure du déjeuner. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le rapport annuel 2021 du développement durable, quand même deux petits éléments de contexte. Rappeler une réalité, notre société, donc notre action politique, elle doit nous permettre de nous adapter à quatre processus majeurs. Alors, quand je dis majeurs, c'est qu'ils sont majeurs en ce qu'ils sont préoccupants. En tout premier lieu, le dérèglement climatique, mais également la perte de la biodiversité, la raréfaction de nos ressources naturelles, la multiplication des risques sanitaires, écologiques, nous sommes dedans. L'heure ne sera pas épargnée par ces grands bouleversements, mais bien au contraire, hein, certains de nos indicateurs, on va y revenir, sont en deçà de certaines moyennes nationales, notamment pour la qualité de notre eau potable. Les bouleversements, ils vont se faire en s'accélérant. Le GIEC l'a précisé lors de son dernier rapport. Pour autant, et nous le verrons dans les exemples que je vais vous présenter, nous avons quelques cartes en main. Chaque dixième de degré compte et chaque action compte. C'est un peu l'enjeu de la transition écologique, sociale et solidaire dans laquelle le département s'est investi et dont le rapport que je vais vous présenter fait le bilan. Je rappelle que ce rapport, alors on peut peut-être revenir sur la petite slide précédente, ce rapport, il s'appuie sur les 17 objectifs de développement durable qui sont définis par les Nations Unies. Ces objectifs, ils forment un tout. C'est un programme pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. La définition du développement durable, ce n'est pas que l'environnement. Ces objectifs, ils sont universels et ils constituent de ce fait une feuille de route. Et pour atteindre ces objectifs, le département de l'Eure s'est mobilisé autour de trois défis.
doter le territoire d'un modèle énergétique plus sobre et durable, protéger la nature et ses ressources et créer une société plus inclusive et plus solidaire. Je vous encourage à lire les quelques 100, 120 pages de ce rapport qui vous a été transmis. Comme l'a dit M. le Président, c'est une obligation réglementaire et on l'a fait, ces documents sont souvent produits par défaut. C'est bien dommage parce que c'est quand même un document qui nous permet de faire le bilan de toutes les actions qui ont été menées, d'éclairer aussi les choix budgétaires, on en a parlé, et les stratégies de notre collectivité. Et puis, surtout, on y met des critères d'évaluation, ce qui nous permet de mesurer un petit peu la contribution de nos actions aux enjeux nationaux et supranationaux. Voilà, une politique, notamment en matière d'environnement, il faut qu'elle soit réaliste, qu'elle soit aussi efficace et ses critères permettent d'en juger. Alors, j'ai choisi de vous présenter ce rapport grâce à une petite sélection. Alors, pardonnez-moi pour tous les exemples que je n'aurais pas pu choisir aujourd'hui, mais une sélection d'actions très concrètes que l'on a mis au service de la transition écologique. Alors, pour illustrer nos actions en faveur de la protection, de la préservation du patrimoine naturel et des paysages, le premier exemple choisi, c'est notre première acquisition foncière d'un espace naturel sensible. J'ai choisi cet exemple parce que c'est la première fois que nous avons utilisé notre droit de préemption, notre droit de préemption espace naturel sensible, pour faire l'acquisition d'une parcelle qui est composée de terres agricoles et de landes. Nous sommes sur la côte des Fourneaux au Plessis-Hébert. Et l'objectif ici, c'était de garantir le maintien des activités de culture polyélevage, polyculture-élevage qui sont menées historiquement sur ce lieu et qui ont toujours été très favorables à la production de la fleur messicole, les petites fleurs des champs que nos abeilles raffolent. Donc nous sommes aujourd'hui propriétaires, c'est la meilleure des garanties et un bail rural à cause environnementale sera signé avec un exploitant local. Donc c'est l'un des 59 espaces naturels sensibles que nous avons choisis. Je rappelle que le département, que ce n'est pas une compétence obligatoire, mais que le département a choisi de s'emparer de la politique des espaces naturels sensibles pour préserver la biodiversité et offrir à chaque roi un accès à la nature. Le deuxième exemple, et j'y ai participé au propre comme au figuré, parce que c'est bien moi qu'on voit sur la photo en compagnie de Pascal à droite, là. J'en ai planté des arbres, donc c'était le dispositif une naissance, un arbre. C'était simple, hein, 7000 euros année et autant d'arbres plantés. Et surtout avec ce nouveau dispositif, nous avons, qui a été mis en place en 2021, en partenariat avec l'ONF, on a accompagné 17 communes dans leur projet de boisement. Alors au-delà du symbole, il faut se dire que face au dérèglement climatique et à l'extinction de certaines espèces, les cormis ont pratiquement disparu de nos forêts et de nos jardins domestiques, la plantation d'un arbre, c'est une réponse intéressante en termes de captation de carbone et de préservation de biodiversité, mais aussi de préservation des paysages auxquels nous sommes attachés. Et donc, c'est un succès puisque depuis que nous avons lancé ces chantiers de plantation, il y a plus de 40 communes qui nous ont sollicité pour participer au prochain appel à projet. Donc voilà, on remet ça l'an prochain, Pascal, on rechausse les bottes. Toujours afin d'illustrer nos actions en termes de préservation du patrimoine naturel et des paysages, le dispositif MAR-haie, bien connu. Alors là, vous avez une haie, mais pas une mare. Nous en avons restauré cette année 11. Quand on dit restaurer une mare, c'est-à-dire qu'on lui a redonné à nouveau ses fonctionnalités passées, un joli paysage auquel on est attaché certes, mais aussi des fonctions hydrauliques qui lui permettront de jouer son rôle d'épurateur naturel. Elles seront des zones d'expansion de crues en cas d'inondation et nous savons que nous allons devoir anticiper ces inondations. Elles pourront aussi servir, le cas échéant, de réserve à incendie. Alors, j'ajouterais simplement que grâce au plan de relance, dont 25%, je le souligne, des crédits ont été fléchés sur la protection de la nature. 25%, ce n'est pas rien. Ce seront plus de 40 mares qui seront restaurées en 2022. Voilà, c'est une solution naturelle, efficace. Nous devons développer des territoires résilients et c'est l'une des actions possibles. Nous avons fait ce choix-là.
Autre action en faveur de la biodiversité et de la restauration de la continuité écologique, avec une aide exceptionnelle de 140 000 euros qui a été versée au syndicat mixte de la Basse-Vallée de la Rive pour les travaux du barrage de la Madeleine. C'est un aménagement qui est une première en Normandie, qui a fait sauter le verrou entre la mer et la Rive pour les poissons migrateurs. Monsieur Courel pourrait en parler bien mieux que moi. On a remplacé l'ancien vannage et puis a été créé, alors là vous voyez les petits plots sur la photo en bas, ce sont les aires de repos qui vont permettre aux poissons migrateurs, les saumons, les truites, les anguilles, de remonter en fait, de remonter je l'espère jusqu'à Bernay et retrouver leur cycle, voilà, leur cycle biologique. Alors, donc c'est vraiment une création très très importante, puisque là il y en a 45 mètres, on le voit pas, hein, mais 45 mètres de rampe et puis des aires de repos, parce que l'air de rien, il y a 4 petits mètres de dénivelé, donc il faut que les poissons puissent voilà, s'essayer à remonter et se reposer entre-temps. Alors on a installé aussi avec la Fédération de pêche de l'Eure un vidéocomptage des poissons, hein, en amont, qui permettra justement de vérifier aussi l'efficacité de cet ouvrage. Voilà, on travaille à la continuité écologique, mais également à la bonne gestion de nos deniers publics. L'engagement du département pour l'environnement, c'est aussi, et ça c'est de plus en plus critique, puisque là nous avons des objectifs à atteindre de préservation de la ressource en eau et des rivières et des zones humides. Le chiffre là, c'est 2 millions, j'ai choisi cet exemple, c'est 2 millions, plus de 2 millions d'euros, et c'est le montant du soutien que nous octroyons. Donc, à l'investissement, à plus de 67 collectivités, alors ça peut être les syndicats de rivière, les syndicats d'eau, les EPCI, qui sont accompagnés chaque année financièrement et techniquement pour mettre en place des réseaux d'assainissement plus performants. On parle rarement de cela, mais Dieu sait si c'est important pour la préservation de notre qualité d'eau en surface comme en sous-sol. On a également agi et on continue à le faire et nous continuerons à le faire pour la préservation de la ressource en eau potable. 202, je suis encore sur ma... On est allé vite, hein. Je sais, je ne suis pas assez rapide, mais je vais essayer d'accélérer le tempo. Alors, 202, c'est le nombre de captages qui sont disponibles sur le département. Et 16 d'entre eux, alors 16, ça paraît peu hein, sur 202, mais c'est quand même 20% du territoire, ils sont classés prioritaires. Prioritaires, ça veut dire qu'ils sont prioritaires au regard de la très grosse, enfin de la très médiocre qualité des eaux qui y sont captées. Et c'est pour ça que le département a créé l'Observatoire départemental des BAC en 2013, donc voilà, sous l'ancienne mandature, et qui suit cet observatoire, la qualité des eaux brutes et le suivi des reliquats d'azote et pollutions agricoles. Aujourd'hui, ces analyses, elles sont importantes parce qu'elles permettent aux maîtres d'ouvrage de travailler avec les agriculteurs qui sont installés sur ces bassins pour les faire évoluer vers des pratiques plus durables. Et ces analyses, eh bien, il est pertinent qu'elles soient menées au niveau départemental. Et voilà, c'est une action que nous seuls pouvons mener. Donc, on peut passer à la suivante, à la petite slide suivante. Donc, la transition écologique, c'est aussi le soutien à l'agriculture durable et la promotion de la consommation en circuit court. Alors, j'ai choisi deux exemples. Alors, le premier exemple, c'est la plateforme qui fait dans l'heure. Vous le savez, cette année, elle est devenue une vraie place de marché. Avant, c'était une vitrine. On pouvait y retrouver les produits près de chez nous. Et lors du confinement, elle a été extrêmement fréquentée, puisque c'était une façon pour les agriculteurs de ramener les consommateurs chez eux, puisque nous étions interdits. Oui, je suis agricultrice aussi, vendeuse en circuit court. Donc, nous étions interdits de participer au marché de plein vent. Donc aujourd'hui, cette marketplace, cette place de marché est devenue une place de marché. Donc c'est-à-dire que maintenant, non seulement vous pouvez retrouver les produits, mais vous pouvez aussi les commander. C'est un succès, hein. 80 agriculteurs sont devenus vendeurs sur cette plateforme et 800 produits disponibles à vente en circuit court. Voilà, c'est une aide et c'est pas rien. Vous trouverez un autre exemple et c'est sur cette même photo. Donc sur la plateforme C'est fait dans l'heure, vous trouverez les produits de Virginie Marius et le frère de Marius, j'ai oublié son nom, que vous voyez sur la photo. Ils sont mère et fils, ils sont agriculteurs depuis 4 générations à Tigné-en-Vexin.
Ils se sont convertis en bio et ils se sont spécialisés dans la culture de graines. Et à la ferme, chez eux, eh ben, ils font tout. Ce sont eux qui se chargent du tri de leurs graines, de l'ensachage. Et l'ensachage, il s'est fait grâce à l'achat d'une ensacheuse qui a été financée pour partie par notre dispositif des petits investissements agricoles. Ça aussi, c'est un dispositif qui nous permet d'accompagner, qui nous a permis cette année d'accompagner 157 agriculteurs pour plus de 450 000 euros. Là encore, nous les accompagnons pour pouvoir les aider à valoriser, transformer leur production et la commercialiser en circuit court. On les retrouvera certainement au Salon de l'agriculture dans un mois. La promotion de la consommation en circuit court, c'est aussi, et pour le département, la volonté de permettre l'accès à cette alimentation de qualité au plus grand nombre. Parce que c'est très souvent ce qui est reproché, c'est que ces produits ne sont pas accessibles. Alors, je ne peux pas ne pas parler d'une opération, une expérimentation extrêmement innovante qui a été mise en place cette année. Ce sont les paniers solidaires de produits frais locaux, donc légumes, produits laitiers, etc., qui ont été des paniers financés par le département et la MSA. Ils ont été distribués auprès de 25 familles en grande difficulté. Donc, ce fut une expérimentation innovante de lutte contre la précarité alimentaire et de soutien aussi aux producteurs locaux qui avaient été fragilisés par le Covid. Cette expérimentation, elle a fait l'objet d'une évaluation, d'une évaluation qui s'est révélée être très positive. Ont été salués l'accès à une alimentation de qualité, le lien social, puisque avait été créé aussi la distribution des activités, des cours de cuisine, des ateliers nutrition. Alors, ça peut paraître aussi là anecdotique, mais ces expériences, elles nous permettent de réfléchir autrement à la question de la précarité alimentaire. Et elles nous permettent aussi de travailler sur d'autres enjeux que sont la santé, la nutrition et l'isolement social. Voilà, d'autres expérimentations pourraient être lancées et sans doute seront-elles évoquées lors des assises. Elles se convoqueront en tous les cas aux assises des solidarités de l'heure qui s'ouvriront prochainement. Introduction des produits locaux dans les cantines des collèges via le réseau des chefs. C'est un réseau qui permettait aux chefs, alors vous avez le chef Stéphane Crétois sur cette photo, qui permet aux chefs d'échanger sur leurs pratiques et d'inciter à se fournir en circuit court. Donc le chef que vous voyez ici en photo, c'est le chef de cuisine d'un collège exemplaire en la matière à Beaumont-le-Roger. Ce chef, il a toujours été très volontariste, il a toujours voulu améliorer la qualité sanitaire et gustative des assiettes de ses collégiens. Et il a eu la chance de toujours être suivi par son gestionnaire de collège, ce qui n'est pas toujours le cas. Je rappelle que le gestionnaire des collèges qui signe le bon de commande avec l'argent des dotations que le département attribue aux établissements, lui, dépend de l'État. Donc, nous ne pouvions, et c'était l'objet de ce réseau des chefs, nous ne pouvions être que dans l'incitation avec l'attente attendue loi 3DS et le transfert aux collectivités locales de l'autorité fonctionnelle sur les gestionnaires. Le département aura la possibilité, nous l'espérons, d'imposer ses orientations en matière d'approvisionnement. Donc, c'est un frein réel qui est levé. Et Florence, je crois que on pourra repartir pour faire ensemble le tour des 5 collèges et des cuisines du département. On s'est déjà essayé à le faire une fois, c'était plutôt sympathique. L'atteinte aux objectifs de développement durable, c'est aussi mettre en place des techniques innovantes et favoriser la mobilité durable. Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons en 2021 commencé à entamer le verdissement de la flotte du département avec l'acquisition de véhicules électriques pour les agents. Et puis, nous avons expérimenté aussi l'utilisation de biocarburants dans les poids lourds du département et les essais furent concluants. On a aussi, et c'est un objectif que nous nous sommes fixés, l'utilisation de 60% de matériaux recyclés utilisés dans les infrastructures routières. C'est possible et c'est l'objectif que nous nous sommes fixés et qui se retrouve dans nos cahiers des charges. On a également expérimenté la technique de la grave émulsion. Donc Thierry pourrait vous en parler mieux que moi, mais ramener une idée simple, c'est une technique à froid. Donc, la centrale de fabrication de l'enrobé, ça devient un petit peu technique, je sens, je vous lâche. c'est une technique qui
fonctionne à température ambiante et non pas à 160 degrés. Donc, je vous laisse imaginer le bilan carbone sans commune mesure avec l'enrobé classique. Voilà, nous poursuivrons ces expérimentations car nous avons quelques kilomètres de voirie à entretenir. Voilà. Et puis, toujours dans la transition écologique, bien évidemment, nos efforts se sont portés sur une plus grande sobriété énergétique dans la transition. Nos collèges neufs seront à haute performance énergétique et ça, c'est pas le moindre de nos engagements puisque en 2021, nous avons révisé totalement notre référentiel de construction des collèges et nous nous sommes imposés d'être 20% plus performants que la réglementation, donc la RT 2012 en cours, en termes de sobriété énergétique. Alors, le meilleur exemple, c'est le collège. C'est le bâtiment de 6400 m² à haute qualité environnementale que vous voyez sur la photo en bas à droite. C'est le campus d'excellence de Villeneuve qui est novateur à de nombreux titres, mais il était exemplaire, particulièrement exemplaire en matière de transition énergétique. Et quand on sait que le bâtiment, c'est le plus gros consommateur d'énergie en France et qu'il émet près du quart des émissions de gaz à effet de serre, on mesure l'impact de l'engagement du département pour les années à venir, puisque la construction de nouveaux collèges pour une éducation également de qualité pour tous est à l'ordre du jour. J'en finirai avec trois exemples pour montrer que le développement durable et les engagements du département, c'est aussi celui d'un tourisme durable qui participe à notre cadre et à notre qualité de vie. J'ai choisi deux exemples emblématiques, le schéma vélo-route voie verte, hein, avec en 2021 15 km de voie verte qui ont été aménagés pour valoriser le patrimoine de la vallée de la Seine. Sachez qu'il peut favoriser également la mobilité douce. Ce qui ne gâche rien, il faut savoir que les voies sont aménagées toujours de façon à limiter l'impact écologique et que bien au contraire, les aménagements de ces voies, on en profite pour réactiver les zones humides, replanter des arbres, des haies, des éléments qui vont contribuer au maintien des berges, au développement des corridors écologiques nécessaires au maintien des espèces animales et végétales. 2021 a été aussi marqué par l'ouverture de trois nouveaux sentiers de balade et de découverte sur nos espaces naturels. L'enjeu pour le département aujourd'hui, c'est de rendre plus attractif notre patrimoine naturel. L'idée n'est pas de mettre sous cloche ces espaces naturels, mais bien au contraire de les offrir aux Eurois. Donc, si je prends l'exemple de l'un de ces trois sentiers, le sentier des Rossignols, eh bien, on y a installé un observatoire à oiseaux, un ponton d'observation au bord d'une mare, des panneaux de découverte. Et puis, je rappelle que ce sentier, on va le mettre en connexion avec la Seine à vélo dont les travaux sont en cours. Voilà, ce qui permet aussi, c'est une autre façon d'amener les Eurois et les Euroises à profiter et à découvrir toute la nécessité de protéger notre planète. Tourisme durable et cadre vie. Donc, pour terminer, un bel exemple où tourisme rime avec respect de l'environnement, où l'on ne sait plus si c'est le patrimoine naturel qui valorise le patrimoine culturel ou l'inverse, le domaine d'Harcourt, où l'on vient aussi bien visiter le château que découvrir les quatre essences d'un l'un des plus bels arboretums de France. En 2021 et pour la première fois, donc on a testé l'ouverture du site en dehors de sa période d'ouverture classique, donc puisque à Noël 9000 personnes se sont précipitées, se sont venues déambuler dans l'arboretum qui avait été illuminé pour les fêtes. Et puis voilà, ils ont pu écouter les artistes qui ont conté l'histoire de ces bois. C'est un succès très encourageant pour d'autres projets à venir. Je n'en dirai pas plus. Alors, pour conclure, voilà, c'est compliqué. J'aurais pu multiplier les exemples à l'infini. Je vous renvoie à la lecture de ce rapport. Mes chers collègues et vice-présidents, n'hésitez pas à compléter. La transition écologique, elle est à l'œuvre dans toutes les politiques du département. Et puis, nous continuerons à accentuer ces engagements. On en a déjà parlé, la rénovation thermique de l'hôtel du département. C'est vrai que c'est une vraie passoire thermique. Il est temps de faire quelque chose. Nous devons être exemplaires.
La poursuite des livraisons des collèges modernes exemplaires sur le plan environnemental, c'est une perspective 2022 et pas des moindres. 28 millions d'euros en appui du Ségur de la Santé pour reconstruire des épargnes modernes, ce n'est pas rien. Et puis voilà, en projet pour 2022, la mise en place d'une toute nouvelle politique environnement pour aider les communes dans leurs projets de préservation de la biodiversité et des paysages, donc pour aller au-delà de nos dispositifs actuels qui sera mené en lien avec l'Agence de la ruralité. Voilà, le département, en effet, ne peut pas être seul à relever ces défis. Il faut que nous embarquions tous les territoires, mobilisions toutes les énergies pour aller vers des pratiques plus écologiques, plus sociales et plus solidaires. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole? Je vois une main qui se lève, M. Joubert et M. Jamais. Vous entendez? Oui, c'est bon. Oui, je ne vais pas faire du bavardage pour me faire, hein, comme d'autres, mais simplement, je voudrais dire que dans le cadre de la loi Egalim, on préconise l'utilisation même pour les cantines des collèges des produits bio. Et le problème de l'agriculture biologique en ce moment et dans notre département, c'est pas terrible. On aurait besoin qu'on se penche un peu sur le problème, parce qu'il y a même des producteurs bio qui sont découragés et qui arrêtent. Donc ça, c'est un peu préoccupant. Et simplement, est-ce que on fait une politique départementale de mise en rapport des producteurs bio avec les cantines, ou est-ce qu'on le fait chacun dans nos collèges? C'est la première question. Deuxième question. Une petite remarque. La photo qui a été prise pour la scène à vélo, c'est une photo qui est juste à vélo. C'est le bavardage. C'est la sanction. On comprend mieux quand il est comme ça. Tiens, comme féliciter, je tiens à féliciter Myriam pour l'action. Merci beaucoup, Monsieur Joubert. Je suis présent jamais. Monsieur Le Cornu. Pardon. Non, mais c'est très bien. C'est donc un objectif du Grenelle dont le département s'est saisi. Il a bien raison. Trois défis, la biodiversité inclusive, les conditions de vie meilleures pour les Eurois, 80 pages, 89 pages ou 120 pages, ça dépend des éditions, Madame la Présidente. 13 secteurs d'intervention, 7 rubriques, 90 engagements, 17 objectifs. Je ne voudrais pas dire la même chose que pour le débat d'orientation budgétaire, mais je pense qu'il faudrait qu'on se resserre de temps en temps sur des choses. On dirait c'est ça qu'on fait. Voilà, c'est donc parce que j'ai suivi vos exemples les uns après les autres, et il y en a même un qui m'a plu. C'est je ne sais pas si le président Léon Grivas, à ce moment-là, je le suivrai. C'est le cours de Zumba donné pour les agents et élus du département, qui n'a pas un rapport immédiat avec les millions d'euros sur l'isolation énergétique des bâtiments. Enfin, voilà, donc à un moment, on a un peu l'impression là aussi qu'il y a un effet de liste. Bravo. Ça va être chaud. Bravo, oui, exactement. Ça va avec, vous avez raison. Oui, ça revient avec la passoire thermique, oui, vous avez raison. Bravo, c'est très bien, mais alors encore une fois, vers quoi on va? Et puis, il me manque quelque chose en conclusion, et je pensais que c'était là-dessus, et c'est peut-être la fin de son propos que Daniel Joubert intervenait. Il manque une hostilité forte et assez radicale au contournement est de Rouen, qui, en matière de protection de la biodiversité, de capacité à améliorer les conditions des Eurois, me paraît, je reste complètement, on parlait de l'usine d'Emreal, complètement traumatisé par la vision de ce viaduc à 40 mètres de haut qui va traverser la Seine. Ça sera quand même, mais objectivement, la chose la plus laide de la Terre, au-delà même des idées qu'on peut avoir sur le CO2, etc. Ça va être monstrueux sur des villages qui sont quand même assez beaux, les falaises de la Seine, la confluence de l'Eure et de la Seine. Je continue de trouver ça fou. Donc, on aurait pu terminer là-dessus. Monsieur Courel. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais remercier donc également Myriam pour la qualité de son rapport et puis le passage particulier sur ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui un événement phare dans l'Arc-Manche, c'est-à-dire qu'on en parlait depuis 40 ans, la suppression de l'obstacle au cycle biologique des grands salmonidés migrateurs sur l'ancien ouvrage de Pont-de-Mer.
j'en profite pour remercier le département d'avoir apporté sa contribution alors qu'il n'était pas concerné au départ. Mais compte tenu, je dirais, des difficultés rencontrées au cours de chantier, pour le moment, le compte n'y est pas et le département fait partie des, on va dire, des partenaires institutionnels avec la région, avec la commune petite de la Tarte, GEMAPI, qui ont aidé le syndicat de la Basse-Vallée de la Rille à compléter une partie des coûts supérieurs de financement. Je suis toujours en négociation avec la direction nationale, Sandrine Rocard de l'Agence de l'eau, pour essayer d'avoir la suite du financement. C'est un ouvrage phare, c'est vrai, concernant la vie, la reproduction. On estime donc le potentiel, l'augmentation du potentiel de la richesse piscicole et faunistique sur la Rille dans les deux ans, 2 à 3 000 truites de mer. Et effectivement, s'il y a un exemple où l'environnement est le moteur du tourisme ou le tourisme moteur de l'environnement, il est évident que ce passage, je dirais, majeur entre la mer et la rivière aura des conséquences autre sur la libre circulation de l'eau. La libre circulation des espèces aura bien sûr des conséquences en termes de développement économique, touristique, tout le long de la rivière. Deuxième remarque que j'aurais faire, c'est vous dire que dans les projets que le territoire des communes de Pont-de-Mer a mis sur la table et progresse dans sa réalisation, c'est le développement du maraîchage pour essayer de répondre aux circuits courts. Nous avons la volonté au cours de ce mandat de retrouver des fabrications de repas dans nos cantines, des fabrications sur place, pour éviter de faire appel à des fabrications industrielles. Et donc, à partir du moment où nous aurons créé donc, la demande, il faudra trouver l'offre. Et il y a déjà des maires propriétaires de biens communaux, pareil, issus de la Révolution, le long de la Vallée de la Rille, qui sont tout à fait d'accord pour bien mettre à disposition ces terrains qui se prêtent très, très bien à les transformer en zone de maraîchage pour eh bien, essayer de répondre en termes d'offres de légumes pour ces fabrications de repas sur place qui ne vont prendre que de l'ampleur. Voilà, je veux dire, alors, peut-être que le département pourra s'y associer un jour ou l'autre. Il sera toujours le bienvenu pour nous accompagner dans cette belle politique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres prises de parole. Je laisse Mme Dutheil répondre aux quelques interventions. Et ensuite, nous passerons au vote. Et ensuite, nous laisserons la parole à Mme Le Seigneur pour le point promis sur le chèque énergie. Merci. Pour répondre à M. Joubert, oui, effectivement, la loi Egalim, c'est un bel engagement. C'est une belle feuille de route. Il n'y a pas que les produits bio, hein, il y a aussi 50% de produits à haute valeur environnementale, donc ce qui va desserrer un petit peu les taux. Mais c'est vrai que cette loi et les engagements qui vont avec, elles posent la question dans notre département de l'adéquation entre la production et l'approvisionnement des cantines. Aurons-nous assez de produits bio? Aurons-nous assez de produits locaux à haute valeur environnementale pour alimenter nos cantines? C'est une vraie question. Et puis après, se posera la question même de la logistique, hein, parce qu'il va falloir, que le produit puisse partir de la ferme à l'assiette. Donc voilà, donc ça, c'est bien évidemment des questions qu'il faut qu'on regarde de près. Hein. C'est des choses... on travaille avec les collectivités qui ont la compétence en la matière, donc certaines EPCI qui mettent en place, voilà, qui favorisent l'installation de maraîchers en bio sur leur territoire, qui mettent en place des structures pour de conserverie, de légumerie, voilà. Donc ce sont des initiatives qu'on va regarder de près et que l'on saura en capacité, le cas échéant, d'accompagner. Pour revenir, je rebondis aussi, ça me permet de répondre à Francis sur ces besoins-là. Évidemment, toutes ces opérations d'intensification de la production sont importantes, elles doivent être étudiées. Pour revenir à vos propos, à vos remarques, M. Jamais, oui,
17, c'est contraignant de repartir des 17 objectifs de développement durable, mais voilà, c'est notre feuille de route. Hein. Ils ont été adoptés par les États membres des Nations Unies et c'est aujourd'hui, ils sont universels, ils s'imposent à nous, ils sont notre feuille de route. Oui, 13, une présentation sous forme des actions menées par les 13 vice-présidents, mais c'est aussi une façon de montrer que l'engagement pour une transition écologique, c'est l'affaire de toutes les politiques du département, de tous les vice-présidents. C'est moi qui prends la parole aujourd'hui, mais on aurait pu faire parler, on aurait pu nous faire parler tous autant que nous sommes. Par contre, je vous rejoins assez sur le fait que l'entrée par la présentation de ce rapport plutôt par celui de ses objectifs plutôt que celui de ses politiques pourrait être intéressant. C'est effectivement ce qui peut être fait dans certains autres, nos autres départements. Nous regardons également ce qui se fait pour pouvoir en tirer le meilleur et il n'est pas exclu que le prochain rapport ait une autre présentation. Voilà. Alors, merci à la vice-présidente de son enthousiasme. Merci. C'est communicatif. Oui, elle a été repérée pour cela, pour être avec vous. C'est habilement dans votre jour. Et que cela, oui, parfois je l'en conduite, moi-même, je bouge l'ordre du jour. Non, en tout cas, hommage soit rendu à l'investissement des élus, des services, des équipes. Derrière, ça associe aussi d'autres structures paradépartementales, que la GAVA pourrait revenir sur le CAUE, par exemple. Enfin bref, tout ça, évidemment, est éminemment transversal. Et Frédéric Duchet, évidemment, aura à cœur de faire en sorte que l'Agence de la réalité soit aussi un des instruments qui permettent d'aider les collectivités à venir décliner tout cela. Après, sans nul doute, parmi les nombreux objectifs, il faudra en choisir quelques-uns. De par là même, lorsqu'on travaille sur la rénovation thermique de nos propres bâtiments, c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est déjà une orientation en tant que telle. Lorsqu'on consacre une partie du plan de relance avec des critères, notamment cette question des mares et des haies qui n'ont rien d'anecdotique, parce que derrière, ça participe aussi à la prévention en matière de sécurité civile, notamment la prévention des crues, bref, on est conscient d'un milieu naturel. Tout ça va dans le bon sens. Il faudra évidemment continuer de le promouvoir. Je mets donc au voie ce rapport qui est contre. Ah, une prise de parole ? Alors, d'un mot, puisqu'on était, on est passé au vote. Allez-y, Madame Tamarez. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai un peu bricolé. Non, c'était juste pour faire écho, effectivement, au rapport qui vient nous être brillamment présenté, pour dire que là aussi, et vous le savez, c'est une préoccupation largement soutenue à l'Assemblée avec justement les lois Egalim 1 et Egalim 2, parce qu'on s'est bien rendu compte que y avait sûrement des choses, il y avait encore des choses à revisiter, hein, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Et je voulais juste faire écho et je vous le soumettrai si je sentais que cela vous intéresse, puisque je suis avec Julien Dive, hein, qui est de l'opposition, ensemble nous faisons une évaluation justement sur une alimentation saine et durable. Donc, je partagerai ce rapport qui va être bientôt déposé à l'Assemblée. Et puis, juste pour faire aussi écho à ce qui se passe et qui commence, je pense, à s'égrener aussi sur notre département, qui sont les PAT, les projets alimentaires de territoire, et qui, effectivement, fédèrent et ont pour but de fédérer l'ensemble des acteurs qui veulent contribuer à cette politique, ou bien évidemment les collectivités, que ce soit le département, mais aussi les intercos, sont des piliers indispensables. Très clair. Je passe donc au vote qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci beaucoup. Madame le Seigneur, pour le point d'information promis et demandé, s'il vous plaît. Madame le Seigneur. Merci, j'arrivais pas à choper le micro. Très rapidement, je rajouterais simplement aussi que tout le travail sur le logement social et le logement privé aussi, avec tout ce qu'on fait sur la rénovation énergétique, contribue dans le même sens, et de réduire les nouvelles constructions et de préserver l'artificialisation des sols en fait partie aussi. Voilà. Très rapidement, bilan sur le chèque énergie, on est à ce matin à 1654 demandes, ce qui fait qu'en moins de 4 jours, on a progressé de 10%. Donc ça monte très vite. J'ai presque envie, Monsieur Jamais, de vous remercier d'avoir posé la question, parce que ça me permet d'en reparler et de communiquer, parce qu'on a remarqué que chaque fois qu'on communique sur le sujet, chaque fois qu'une communication est sortie, soit dans la presse, soit quelque part, on est passé à peu près de 30 demandes jour à près de 50 à 60 demandes par jour. Bien sûr. Donc ce soir, on devrait encore exploser les chiffres.
Parmi les dossiers qui étaient encore à l'étude, on en avait à peu près 600 lundi, on est presque à 300 aujourd'hui. Donc, il y a 5 personnes qui travaillent, et je les remercie derrière, et qui moulinent très vite. Donc, ça dépote relativement vite. Et je confirme qu'effectivement, avec les adaptations que l'on a fait, qu'on a mis, ou les assouplissements, par exemple, on a bien calé les choses dans un couple lorsqu'ils sont à deux et qu'une seule personne travaille. On accorde ce qui n'était pas trop prévu avant, mais on n'accorde qu'un chèque par foyer, puisque c'est un chèque par foyer ou chèque par personne, puisque c'est quelque chose de forfaitaire. Et on a également assoupli, pour donner un autre exemple, sur les 3 derniers mois, quelqu'un qui n'aurait travaillé qu'un mois au lieu de 3 mois, on a assoupli aussi parce qu'on veut encourager le travail. Et quand il est sur un CDD, une période déterminée, ça en fait partie aussi. Je ne vous fais pas l'exhaustivité de tous les assouplissements et ajustements qu'on a fait. Et je rappelle que ça reste quelque chose de forfaitaire, parce que si on devait se caler à l'ensemble des revenus avec enfant par enfant, on n'aurait jamais pu le dégainer en un mois à top chrono. Ça aurait été beaucoup plus long, donc on est obligé de faire quelque chose de forfaitaire pour être efficace, réactif. Et juste pour la petite anecdote, c'est un sujet qui, pour l'instant, est vraiment au goût du jour, qui conforte ce que l'on aurait dû faire. On est très content de l'avoir fait, puisque même TF1 nous a contactés. Je ne sais pas si ça ira jusqu'à un reportage, mais on a été contactés éventuellement pour avoir des questions sur le sujet. Donc, on est carrément dans le vent de ce qu'il faut faire. Merci. Juste les familles monoparentales, monsieur. Allez-y, monsieur Jamais. Juste une préoccupation pour les familles monoparentales, c'est tout. Voilà, c'est tout. Madame le Seigneur. Non, mais pas. Voilà, j'ai repris la main, merci. Oui, sur les familles monoparentales, je vous ai dit, on calcule en forfaitaire et on ne calcule pas sur, c'est ce que je vous disais, sur les parts au niveau impôt, on ne peut pas. Donc, c'est un forfait pour une famille, qu'elle soit monoparentale avec ou sans enfant, puisque c'est considéré sur les charges avec ou sans enfant. De toute façon, une personne a la même charge de chauffage et de déplacement. C'était vraiment l'idée, c'est de dire, je dois me déplacer pour aller travailler, je dois chauffer mon appartement. En fait, elle est la même et du même taux. Il fallait vraiment qu'on soit forfaitaire. C'est la contrainte. Mais vous pourrez me renvoyer la personne qui vous en a parlé, il n'y a pas de problème, je peux encore expliquer, il n'y a pas de souci. Merci. Si monsieur Jamais effectivement a été saisi de cas particuliers, madame le Seigneur s'engage à regarder ce point de près. Bien, l'ordre du jour de notre plénière est épuisé, je ne vois pas de demande de prise de parole pour des questions diverses. La séance est donc levée, je vous remercie.